Ah, c'est parti, on y va. Incroyable. Alors. Vous m'entendez ? Oui, ouais, on t'entend. Ouais. Top. Bon, bah du coup, on va jouer à Zelda Majora's Mask en N1% No Major Glitch. C'est l'ancien N1%. Je suis accompagné de Marco et de Skyward, des grands runners du jeu. Bon, je les présente même pas, en fait. Puis on va valider la Beat Wars aussi de Megbro. Megbro, en effet, devant à 1750€, bien loin derrière tous les autres choix. Let's go. Bah écoutez, moi je suis prêt, c'est quand vous voulez. Bah je pense qu'on va commencer sans plus attendre. Hein. On va commencer, de toute façon il y a une intro assez longue. Ouais. On va pouvoir tout vous expliquer à ce moment-là. Donc t'es prêt pour le décompte ? Je suis prêt. Ok. Pour le décompte ? Allez. Allez, vas-y. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti ! Allez mec bro. Allez mec bro. Ok, Majora's Mask. La catégorie N1%, No Major Glitches. Du coup, en quoi ça consiste, No Major Glitches ? Alors, No Major Glitches, c'est une catégorie qui bannit principalement deux gros glitches. Il y en a un qui s'appelle le SRM, et l'autre, c'est le Debug Menu, surtout, qui est banni. Donc, le SRM, pour faire simple, c'est un glitch qui permet d'ouvrir un coffre en boucle pour obtenir tous les items du jeu à la chaîne. C'est extrêmement pété. Et le Debug Menu, on peut carrément ouvrir un menu développeur où on peut se donner tous les items. Donc, pareil, même principe. Donc ça, c'est banni aussi. Sinon, le reste des glitches sont autorisés. Donc c'est une run quand même qui est bien glitchée, même si c'est No Major Glitch. D'ailleurs, on a aussi une incentive pour montrer le SRM à la fin du run. Oui. Exactement. Bourrer les dons, évidemment. Je sais pas où elle en est, d'ailleurs. C'est un qui permet aussi de se téléporter sur la Lune. Et du coup, il faut savoir qu'on joue sur la version Wii Virtual Console. Il y a beaucoup de versions de ce jeu depuis sa sortie sur Nintendo 64. Et en gros, la version Virtual Console sur Wii est la version la plus rapide, globalement, grâce à ses temps de chargement, notamment, et... l'absence de lag comparé à la version originale sur N64. Sachant que là, on joue sur version américaine, il y a aussi la version japonaise qui existe, qui a des textes plus rapides en vrai, mais il y a des glitches exclusifs à la version américaine qui la rendent plus rapide pour cette catégorie. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme glitch sur la version anglaise ? Ouais, qui va nous aider à aller... Le Snowhead Head. On va avoir Snowhead Head plus tard dans la run, et on va avoir deux tricks qui permettent de skipper des cutscenes globalement, donc de skipper des cinématiques qui sont plus rapides sur la version anglaise. Elles existent sur la version japonaise, mais leur setup est plus rapide sur la version anglaise. Ceci dit, la version anglaise perd du temps donc sur les textes et également sur la récupération du grappin qu'on va faire plus tard dans la run. Exact, oui. Mais au total, c'est quand même la version anglaise qui est gagnante dans cette catégorie. Et elle a pas mal changé ces derniers mois, d'ailleurs, cette version anglaise. On a découvert de nouveaux glitchs qui change la route, qui n'avait pas bougé depuis 3-4 ans. Et on a gagné 2-3 minutes sur la route. Alors du coup, on peut parler un petit peu du jeu, du scénario, tout ça. Du coup, au début, il y a une intro qui est quand même assez longue. Le jeu est très scénarisé. Pendant les 23 premières minutes, ça va être assez calme. Le temps de se chauffer, tout ça. Et après, quand ça va commencer à démarrer, ça va aller très vite sur un énorme glitch. Exactement. Donc là, on est serein, on est calme. Mais après, on va... On va plus avoir le temps, clairement. C'est ça. On va faire au plus vite, mais il y aura quand même un glitch dans quelques minutes, à environ 7 minutes de run, qu'on va pouvoir expliquer juste avant. Et après, on pourra vous expliquer quand même le principe du premier cycle. Parce que du coup, Majora's Mask, c'est un jeu qui se joue avec des cycles de temps. Il faut savoir qu'on a 3 jours, donc in-game 72 heures, donc 72 minutes à peu près, oui, globalement. Et donc ça se joue en cycle où on joue Song of Time pour revenir sur ce cycle. Pour revenir au début des 3 jours, ouais. Exactement. Et le premier cycle est très très connu, oui, pour être long et assez peu intéressant pour les... Malheureusement, oui. Bon, là on a une phase où le jeu nous montre un petit peu les nouveaux sauts stylés qu'ils ont ajoutés par rapport à Ocarina of Time. Incroyable. Et re-cinématique pendant 3 minutes. Voilà, j'espère que vous... C'était incroyable. Vous avez aimé ce petit moment de gameplay. C'est la fin du run. Au revoir. Donc ouais, le prochain glitch, comme tu avais dit, du coup c'est le Happy Mask Salesman Skip.
Le glitch qui va permettre de skipper la cinématique du vendeur de masques. Mais en attendant, bah, limite, s'il y a des dons encore quand même en réserve pendant cette cinématique. Oui, alors on a pas mal de dons. On a un don de 100 euros de Mitzer qui nous dit enfin, elle fait du son, toujours un plaisir de voir du speedrun Zelda avec cette commu de fou. Bravo à tous pour ce superbe event. On a un don de 100 euros de Shake qui nous dit merci pour tous ces jours de speedrun de folie. Quel talent, félicitations à tous. Kimi qui donne 150 euros. Plopzouille à tous, dédicace à Papy qui adore les castors. Bien sûr, on a 100 euros de A.O. Naudi, qui nous dit merci vieux monsieur de faire vivre à grande échelle la scène du speedrun FR, on en veut plus. 200 euros de Julei, 100 euros de Miser MV, bonne continuation à toi aussi, Miser MV bien sûr. On a 100 euros de Njul, bravo et merci pour l'événement et la défiscalisation. On a 100 euros de Azokin qui nous dit bravo à tous et à l'organisation pour ce superbe événement et bravo le public pour l'ambiance. Ouais, ouais, ouais! On a 100 euros de Hapkin, 200 euros de Roxy Roxou, bravo à tous. Zouzou, 100 euros, bravo au vieux monsieur et à tous. L'an prochain, j'amène mon fils vous voir, vous lui donnez déjà des étoiles dans les yeux. Et Luminis qui nous donne 100 euros, bourrez les dons et prendre des notes, c'est presque aussi satisfaisant que de briser des cœurs stellaires en l'honneur de la déesse Pepoji. Alors là, du coup, on se retrouve transformé en peste mojo. À cause de Skull Kick qui nous a donc volé l'ocarina et le cheval. Et le problème de ce jeu, c'est qu'on peut pas faire grand chose dans cette forme. Et l'objectif, ça va être d'obtenir le masque mojo pour se retransformer en humain le plus rapidement possible. Et malheureusement, dans cette catégorie, ça va nous prendre environ 20 minutes. Y a pas trop le choix. Et oui, parce que du coup, on est détrimentaire du time of day, donc le in-game time, l'horloge du jeu où, comme dont tu parlais tout à l'heure, il y a 3 jours, avant que la lune s'écrase. Sauf que avant de pouvoir vraiment faire quelque chose et de pouvoir se retransformer en Link, il va falloir attendre minuit du 3e jour. Exactement. Il va falloir attendre longtemps. Et donc, entre-temps, bon, on aura quand même des choses à faire, mais il y aura pas mal d'attentes. Mais on va quand même optimiser de sorte à aller le plus vite possible, justement, à la 3e nuit, afin d'arriver le plus vite possible, du coup, à minuit de la 3e nuit. Et on va quand même utiliser le temps qu'on a à profit. Notamment pour farmer des rubis, on l'expliquera lorsque ça viendra. Croyez-nous, on aura le temps de vous expliquer. Oui. Mais dans 1 minute à peu près, du coup, il y a le Happy Master's Man skip qui va arriver. Donc un skip qui nous permet d'éviter une cutscene, une cinématique qui dure environ 40 secondes à peu c'est près. C'est ça, ouais. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va spammer les pauses en quelque sorte. Il va faire ce qu'on appelle du pause buffer. Donc il va mettre pause et il va passer une frame entre chaque pause jusqu'à ce qu'il sorte de la zone pour passer la cinématique. En espérant qu'il y arrive. Exactement, et il faut savoir que pour lancer une cinématique dans la même salle spéciale, il faut que 2 frames se passent à la suite, et c'est pour ça qu'en skippant une frame par une frame, eh ben on empêche le jeu de lancer cette cinématique, et du coup on lance la loading zone en même temps qu'on lance la cinématique. C'est ça, donc c'est ce qu'on va voir juste après la petite cinématique dans le couloir tordu là. Voilà, le premier cycle c'est surtout du mouvement en termes de speedrun. On peut quand même gagner pas mal de temps au final sur ce premier cycle. Oui, parce que la partie on doit attendre un petit peu minuit là à ce moment-là. Là, effectivement, c'est plus risque. Et encore avec la RNG en fonction des catégories. Des fois on peut arriver en retard dans la tour. Exactement. Donc là on va voir le HMS skip, Happy Milestone skip. Comme on l'a expliqué, là il va se setup, concentrer. Là, vous voyez une frame qui passe. Vous voyez Link qui bouge. Donc, c'est vraiment un timing précis. Allez, encore un peu. Ah, encore, c'est... encore une frame. Encore une frame. Et ça passe. Bravo! Ça passe. Là, il vient d'économiser environ 40 secondes de cinématique. Puis il reset la console aussi. Oui, tout à fait. Il reset la console car il y a un petit texte avec Taya lorsqu'on sort du clocher. Et donc en faisant ce reset, on gagne très peu de temps, mais petite optimisation quand même. Le jeu sauvegarde dès qu'on arrive dans un clock turn pour la première fois. Mec bro. Mec bro. Mec bro.
Donc comme tu disais, on va essayer d'optimiser pour aller le plus vite possible à la nuit du troisième jour, parce que c'est ce qu'on cherche. Et donc là, la première chose qu'on va faire, c'est aller parler à la grand-mère d'Anju, si je dis pas de bêtises. C'est ça. C'est ça. Et on peut aller lui parler pour qu'elle nous lise une histoire, nous raconte une histoire, et ça fait passer le temps. Donc on peut avancer deux jours d'un coup comme ça, aller directement au troisième jour. Là, il est obligé de prendre la fleur et passer par le haut pour entrer dans l'auberge, parce que c'est fermé et ça ouvre qu'à partir de 8h. C'est ça. Et on sera quand même que au troisième jour, donc il nous manquera encore 6 heures pour arriver à la troisième nuit. Et là, donc, ce sera un PNJ différent. On ira voir l'épouvantail qui est Bourg-Clocher Ouest, si je dis pas de bêtises. C'est ça, à l'ouest, ouais. Et du coup, il manquera 12 heures pour aller la nuit. Ça fait pas mal. Qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 12 heures, quand même? Parce que bon, farmer des rubis, c'est bien, mais à Bourg-Clocher, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour avoir des rubis quand on est sous cette forme. Oui. Voilà, un peu de mouvement quand même au niveau de la run, mais voilà. C'est surtout du mouvement le premier cycle, très électrique. On essaie juste d'aller à la nuit le plus vite possible. Quoi. Exact. Donc là, il va à l'ouest, il va aller parler à l'épouvantail dans le magasin. J'ai une bonne RNG sur le bomber là. Ah, le bomber. Ah, parce qu'on spam les spins avec A et voilà. Des fois, on lui parle. Ouais. Là, il était assez loin, c'est cool. Ouais. Donc voilà, on peut danser jusqu'à la nuit. Et à partir de là, il va falloir trouver des choses à faire en attendant minuit avant que la tour s'ouvre pour qu'on puisse avancer dans le jeu. Ça fait. Ah, ils sont chauds là. Ok, donc là on n'a plus aucun moyen de passer le temps, on est obligé d'attendre et on va se diriger vers Bourg-Clocher Est et du coup on va passer à travers le garde. Non, là on n'est pas censé pouvoir sortir de Termina au premier cycle, en Mojo en tout cas, et on va faire un glitch très simple qui permet de skipper le garde et du coup d'arriver à Termina. Et c'est essentiellement à Termina qu'on va trouver les rubis qu'il nous faut. Il nous en faut 70 si je me trompe pas, au minimum. Minimum, idéal 90. 60. Ah, 60. Ouais. Minimum 60 et 90 c'est le top. Donc voilà, ça c'est tout bête, faut juste marcher en arrière comme ça et on passe. Voilà. C'est vraiment très simple. Clairement vous pouvez le faire à la maison. Sachant que ça marche que de ce côté là par contre. Oui. Il n'y a qu'un seul garde qui permet ça. Donc là, on espère une bonne RNG. Oh, le jeu me régale. Oh, là, c'est pas mal. Ah, le jeu me régale. Le but, c'est d'avoir plein de rubis bleus. Ouais. What? Des fois, il y a des herbes avec 3 rubis, des fois avec 1 rubis, et le plus souvent, il n'y a rien. Donc évidemment, on espère le plus possible de rubis bleus. On n'a pas parlé, mais le fait de backwalk aussi, c'est le plus rapide. Oh, nice. Oui. J'ai une RNG de zinzin. Là. J'avoue. Je pense que là, les 90 rubis. Je pense que tu vas les avoir sans problème, les 90 rubis là. Il est que 8h15, il y a de la marge. Hein. Ah, clairement. Ouais. Je pourrais me barrer maintenant que c'est pareil en fait. D'ailleurs, à noter que dans le premier cycle, le temps passe encore plus vite que dans les cycles 2, etc. Vu qu'on n'a pas encore l'ocarina. Exactement. Ce qui nous arrange, hein, parce que s'il fallait qu'on attende minuit à la vitesse normale, il faudrait trouver encore plus de choses à faire. Hein. Ah ouais, bah non, mais là tu les as. Non, mais t'as payé le jeu là. Il reste tellement d'herbes que t'as pas fait quoi. C'est grave, hein. Bah nickel. Et du coup après on va rentrer par le nord. Et en plus c'est quand on rentre par Termina dans le nord de Clock Tower, on n'en a pas la petite cinématique d'intro qui montre qu'on arrive dans le nord pour la première fois. Donc ça c'est assez pratique aussi. C'est pratique puisque chaque cinématique évidemment stoppe le temps. Le in-game time est stoppé quand il y a une cinématique, quand on parle à un PNJ. Donc évidemment, chaque skip de ce genre est très important dans cette phase de premier cycle pour éviter de, pour arriver à minuit le plus vite possible. Et chaque on va voir la grande fée. La fameuse grande fée. Ah oui, parce qu'on a déjà précisé, il nous faut tout de même la magie pour avancer dans le jeu. Oui. C'est pour ça qu'il a pris la fée tout à l'heure à l'est de Clockturn. Ouais. Car sans magie, on ne peut pas lancer de bulle, et si on ne lance pas de bulle, on ne peut pas toucher Skull Kid. Qui a l'Ocarina et on est softlock. Oui. On est obligé de faire. On est littéralement softlock, ouais. Ah bah oui, on peut rien faire. Ah si, tu peux attendre que la lune s'écrase. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Tu attends 5 minutes. Et tu refais le premier cycle. Bon, top. C'est mon plan, là. Bon, c'est compliqué d'oublier la magie, quand même. Quand même,
Là, c'est bien routé quand même. Donc, sachant qu'il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que normalement, dans le jeu casual, on est censé aller faire les bombers. Donc là, les je sais pas comment ils s'appellent en français. Les. Ouais. Je crois que c'est les bombers. C'est les bombers, pareil. Je crois que c'est pareil. Ouais, c'est le même nom. Ouais. Donc normalement, on est censé lancer une bulle sur le ballon. Ensuite, pour rejoindre leur club, on fait un espèce de cache-cache. Et ensuite, on obtient l'arme de lune, etc. Mais ça, on n'aura pas besoin de le faire parce qu'il y a un petit glitch qui s'appelle un gainer qui fera pour aller directement sur devant la tour en fait. C'est ça, on va faire une espèce de backflip mais qu'on va rester collé au mur en fait avec le système de visée du jeu et ça va nous permettre en fait d'agripper la plateforme alors que normalement Limojo est parfaitement incapable d'agripper cette plateforme. Il est trop petit quoi. Tout à fait. D'abord du coup on va déposer l'argent. Et oui quand même, l'argent durement gagné, ce serait dommage de le gâcher. On pourra récupérer au prochain cycle. Ouais, c'est le seul moyen de récupérer nos rubis à la fin du cycle, c'est de les déposer à la banque. Parce que sinon, quand on revient dans le temps, on perd tout ce qui est bombe, flèche, rubis. Tout ce qui est consommable. Hein. Ouais. Alors, à quelques descriptions qu'on expliquera dans la run plus tard. Voilà. C'est un glitch, mais sinon, effectivement, on perd tout. Et voilà. Bisous. Voilà. Ça skip toute la quête qu'on est censé faire dans le premier cycle. Et voilà, on attend. Ah bah, d'accord. Ah bah non, ça il y a d'autres strats aussi. Il est tombé. Mec bro, là, qu'est-ce que tu fais hein. Merci mec. Ok, voilà. Et la cinématique se lance. Les portes vont s'ouvrir. C'est le carnaval. Si vous avez quelques dons, je pense qu'il y a un peu de temps là. Oui. Yes, je vous rappelle juste deux petits messages que, évidemment, on n'en a pas parlé, mais on le rappelle. Si vous faites point d'exclamation album sur le chat, vous avez les infos normalement, mais il y a le collectif Résonance qui a l'album Out of Beat 3 disponible de musique inspirée par des jeux présents sur le marathon et tous les bénéfices seront reversés à Médecins du Monde demain. Également, on a la run après de Castlevania HD, Harmony of Despair, et on m'a indiqué que ça serait vraiment bien de voter Julius Belmont. Alors j'espère que je ne dis pas une connerie, sinon ça va être un drame, parce que c'est le personnage qui offre les glitches les plus fous qui existent, et il est pour l'instant en dernière position, si je ne m'abuse, donc go bourrer Julius Belmont. Peut-être. Si vous voulez une run très spectaculaire en glitch, en tout cas. Si on a d'autres dons, on a 100€ de la Wii, qui dit arrêtez de me mépriser ou je plante, je suis là. 5€ de marmotte insomniaque, moi qui suis nul en vidéo gaming, ma frustration s'apaise en voyant tant de talent de la part des runners. Bravo à toute l'équipe de Speedon et bien évidemment, ouais, ouais, ouais! Ouais, ouais, ouais. 125€ de Cyril C, quel dommage de se lever demain pour le travail. Let's go la rediff de cette merveilleuse run de Majora's Mask. Merci pour cet event, bravo à tous les participants et les hommes de l'ombre bourrés, les dons. Et 150€ enfin de Big Jim FRG, le meilleur FF, Fa Grand Story bien sûr. Un grand bravo à tous, cœur. On va pas trop plaisanter sur la Wii qui plante parce que ça peut arriver. Ah! Ah, il y a beaucoup de glitches qui peuvent crash sur ce jeu. Donc on jette la bulle, on récupère l'ocarina et on va avoir un flashback qui va nous montrer Zelda. Ce sera la seule fois dans le run où on va voir Zelda. C'est pas un trop mauvais temps, en vrai, ça va. Ça va. 16:43, quelque chose comme ça, ouais. Voilà, c'est pour ça que le jeu s'appelle The Legend of Zelda, pour cette cutscene, voilà. C'est tout. Bonjour Zelda. Et encore c'est un flashback, on va voir. C'est ça, vrai, quoi, c'est... noir et blanc, bon. Bon, du coup, il y a encore environ 6 minutes de cinématique avant de vraiment bien démarrer la run. Ouais. Et là, par contre, ça va vraiment s'enchaîner de fou. Et du coup, on va prendre le chant du temps, qui nous permettra de revenir dans le passé, de recommencer un cycle. Comme on l'a dit tout à l'heure, en perdant les consommables, je vais essayer de pas rater le champ, parce que c'est dur. Et ensuite, quand tu vas mettre oui pour jouer le champ du temps, tu vas reset ta console pour éviter d'avoir le... Ah. Ah. C'est moi qui t'ai déconcentré, désolé. Non, mais j'ai prévu. Non, mais j'ai prévu. C'est trop dur. Ah, c'est dur. Comment ça, où? Donc voilà, le premier cycle qui touche à sa fin. Et oui. On va pouvoir revenir dans le passé et se retaper 3 minutes de cutscene. Ouais, on va aller voir le vendeur de masques. Et on va le scam un peu. Oui, on va lui dire qu'on a récupéré son beau masque, mais en fait non. Enfin, il va croire, on va rien. Il va le croire, oui, c'est vrai, c'est lui qui le croit en fait. Et voilà, du coup, on a récupéré l'ocarina du temps, mais ensuite, quand Link Mojo va sortir l'ocarina, bizarrement, il aura un autre instrument. Je sais pas pourquoi. C'est une mécanique étrange du jeu, l'ocarina qui se transforme. Mais où as-tu trouvé cet instrument? Oh, on se demande, oui.
Voilà, donc le champ du temps qui permet de revenir au début du cycle. Ça va sauvegarder dès qu'il sélectionne l'option Yes. Et il va pouvoir reset instantanément. Voilà. Voilà. Normalement, il y a tout un flashback qui remontre le début où Link se fait avoir par Skull Kid et traîner avec Epona, etc. Plus une textbox de Taïa en revenant oui. À Bourg-Clochet après. Donc clairement, on gagne beaucoup de temps en faisant un reset ici. Et donc là, on va relancer le masque pour un mec cutting de 3 minutes, un mec bro. Et on pourra prendre le champ de l'apaisement et retrouver notre forme normale. Enfin. Alors, est-ce qu'on parle un petit peu du prochain gros glitch qu'il va faire en avance? Parce qu'il est assez compliqué, celui-là. On peut parler effectivement de ce qu'on appelle le Hidden Owl, donc la chouette cachée, car il faut savoir que dans le jeu, le meilleur moyen de se déplacer, c'est de se téléporter avec ce qu'on appelle le champ de l'envol. Avec les statues de hibou. Avec les statues de hibou qu'il faut taper, normalement. Et il faut savoir qu'il y a une statue de hibou cachée dans Bourg-Clochet, qui se trouve, alors techniquement, à Bourg-Clochet Ouest, mais qui en fait est derrière une loading zone, donc normalement qui est inaccessible, mais qui est là pour dire... C'est le décor en fait. C'est le décor, exactement. Pour montrer que normalement il y en a une. Mais ce chouette est un acteur qui est une vraie chouette en fait, mais elle n'est pas répertoriée dans le jeu. C'est ça, c'est une autre en fait, celle qui est au sud et celle qui est à l'ouest, c'est pas la même. C'est pas la même chouette. Et en fait c'est celle-là qu'on va taper, et seulement celle-là, de tout le run, et ça va nous permettre... Eh bien, des choses très intéressantes lorsqu'on aura récupéré le champ de l'envol, mais bon, évidemment, pour l'instant... On le verra, mais du coup, bah, quand on joue le champ de l'envol, normalement, on est censé... Il y a un menu qui s'ouvre et ça montre toutes les statues qu'on a activées. Mais sauf que celle-là, on n'est pas censé pouvoir l'activer, en fait. Exactement, donc... Donc, on va pouvoir manipuler des choses, bah, ça, on le verra plus tard, mais grâce à ce glitch. Donc, c'est la première chose qu'il va aller faire, là, en sortant. Il va aller chercher des rubis pour pouvoir acheter des bombes et des missiles. Et c'est là que les glitches vont commencer. Tout à fait. Et donc il faut savoir qu'il a 90 rubis à la banque également. Oui. Et là, il va chercher 99 rubis supplémentaires, car le sac de bombes qui est très facilement accessible. D'ailleurs, dans ce jeu, hein, on a juste à aller dans le magasin de bombes et on peut l'acheter. On pouvait même l'acheter en mojo si on voulait. Oui. Et on peut pas les utiliser. On peut pas les utiliser en mojo, évidemment. Mais elles sont très facilement accessibles et ça va nous coûter 50 rubis pour le sac de bombes et 40 rubis pour 10 bombes chou. Je suis désolé de vous couper, mais cette cinématique est terrifiante. Hein. Ah oui, clairement. Mais un peu plus rapide dans la version anglaise. Oui. Donc ça fait plaisir. Oui, il y a une boîte de dialogue qui on peut passer avec un bouton. Bon, en gros, là, ils nous racontent d'où vient le masque. Qu'en fait, ils savent pas trop, eux, non plus. Ils sont un peu dans le doute. Ouais. Mais qu'il est un peu vénère, quoi. Bah, il permet de faire d'attirer la lune, donc c'est quand même puissant. Il manipule des gens. Ouais, hein. Si on a quoi, une minute de don peut-être avant que ça commence. Je pense, ouais. Ok, nickel. Je sais pas si la régie est prête. On peut peut-être montrer où on est aussi à Slan Meta au niveau de son illustration. Hein, normalement, en gardant le jeu sur le côté. Hein. Quelle super technique. Oh oui, ah oui, c'est une scène très riche là. C'est beau. C'est beau. On vibre le tout en 20 minutes. Alors, est-ce que tu as commencé un petit peu avant pendant le Non, pas du tout, non. Ah, c'est beau. Ah, il y a même pas triché parce que. Avec les petits problèmes de son au début. Non, franchement, moyen... j'ai vraiment attendu. C'est beau. Il y avait moyen de prendre un peu d'avance. Bravo, ouais, bravo. Tu aurais magnifique. Pu tricher, tu ne l'as pas fait, c'est tout à ton honneur. On fera quelques retours. 100 euros d'Iba qui dit merci MDM, merci MV, merci à tous. 100 euros anonyme. Cardinal 14 qui donne 100 euros et qui dit au lieu de débat du meilleur Final Fantasy, appréciez plutôt cette run du meilleur Zelda. On a 100 euros de Aksu qui nous dit encore GG à Marco pour les World Records en 100%. Cœur sur le monde. Ah, merci beaucoup. GG Marco. Il y a Fabrice Santoro qui donne 100 euros et qui dit ça sent le taureau ici. Et Kerax qui donne 50 euros et qui dit plein de force à Serzax pour la best run. Let's go, mec bro. Bon, allez. Est-ce que on vous laisse l'antenne? Oui. Yes. Okay. Je pense, oui. Alors, du coup, je vais aller récupérer, comme l'a dit Sky, un rubis argenté qui vaut 100. Vu que j'ai la bourse maximum à 99, je vais avoir 99 rubis. Pour acheter le bomb bag. Il faut savoir que dans Majora's Mask, un peu comme dans Ocarina of Time, les explosifs sont très importants pour tous les glitches. Et du coup, on va aller en acheter masse pour l'entièreté de la run. Okay, ce coffre est extrêmement bien placé donc pour récupérer 100 rubis, donc ça nous arrange. Et oui, les bombes qui vont du coup nous permettre d'aller activer le fameux hibou caché que vous verrez de toute façon derrière les escaliers à l'ouest de Clock Town. Et donc il a aussi 90 rubis en banque, donc là il a pris 99 rubis, ça veut dire qu'il va racheter ensuite encore des missiles. Effectivement, car il va utiliser 10 missiles pour le prochain trick. Donc comme les missiles sont très importants, il va pouvoir
avec ses 90 rubis à la banque, en racheter 20 pour le reste de ce cycle. Et donc pour aller activer ce fameux hibou caché, il va falloir qu'il passe par-dessus la zone de chargement derrière l'escalier. Donc pour ça, il va faire ce qu'on appelle du hovering. Donc d'abord, il va faire un ISG, donc un Infinite Sword Glitch. C'est un glitch qui permet de donner des coups d'épée à toutes les frames. Ça permet aussi d'atterrir sur des bombes. Ah, donc vous l'avez vu, je ne sais pas si vous avez vu l'épée qui scintille, mais effectivement... Ça, il a fait un petit coup d'estoc comme ça et l'épée est revenue dans le dos avec briller, quoi. Voilà. Et en fait, dans cet état, l'épée est... t'active tout le temps, comme si vous faisiez un coup d'épée en permanence, et ça permet, en prenant un dégât sur le bouclier, de faire un espèce d'effet escalier, de pouvoir flotter. C'est ça. En faisant des backflips. Et donc là, avec 10 missiles pile poil, il va pouvoir passer par-dessus la zone de chargement et activer ce hibou ici. Et donc là, il va jouer le champ du temps inversé. Pour ralentir le temps, ouais. Tout à fait. Et donc ça va nous servir, mais il le fait tout en tombant dans le vide, ce qui va annuler cette cutscene et qui va lui permettre à la prochaine textbox qu'il va ouvrir, donc celle-ci. Et juste après avoir acheté ses missiles, vous allez voir la textbox du champ du temps inversé qui va apparaître. Il va l'activer au moment où il sort, comme ça maintenant le temps est ralenti là. Et on n'a pas eu la cutscene où on est dans un espèce d'espace blanc, oui, et qui fait perdre un peu de temps. Pas cool. Là il a essayé de sortir sans parler aux gardes, mais c'est pas très grave. Pas une énorme perte de temps. Donc là on va arriver sur un glitch assez technique, qu'on appelle le Hyper Extended Super Side, donc HESS pour faire court, qui nécessite d'avoir une position spécifique sur le stick et de faire une roulade. Faire une invincibilité et de reculer très vite en arrière. Très vite en arrière. Pour accéder à une grotte où, encore une fois, on va avoir un glitch. Alors, savoir que dans ce jeu, toutes les grottes sont connectées. Et donc, elles sont toutes sur la même map en fait. Et donc, si on arrive à passer au-dessus de la map et atteindre les autres zones de chargement, bon, allez, il va recommencer son glitch. On peut atteindre les zones de chargement des autres grottes qui sont aux alentours et accéder à des grottes qui sont pas du tout à cet endroit-là. Les textures ne sont pas chargées, mais les grottes sont bien là. C'est ça. Toutes les collisions sont là de toutes les grottes de la map. Y compris les loading zones, ce qui est évidemment permettre de nous téléporter à des endroits où on ne devrait pas être. Alors, il faut savoir que c'est un glitch très technique, très difficile et très punitif. Parce que ça utilise des missiles, donc on n'a plus assez, quoi, si on le rate. Mais je pense, là, l'angle est vraiment pas mal. Je pense que on va peut-être le faire. Allez. Donc là, il va faire un méga flip. Passe pas. Aïe, aïe. Alors du coup, est-ce que tu peux le retenter? C'est chaud. Je vais faire la backup. Okay, d'accord. Donc on va pas voir le glitch dont on allait parler. Donc, je vais essayer de se concentrer. On expliquera. Et donc là, du coup, il fait un glitch pour éviter une cutscene qui, normalement, on n'aurait pas dû voir de toute façon, mais qui s'appelle un time stop, qui permet d'éviter la cutscene où on voit un espèce de flashback avec les fées Taya, Tael et Skull Kid qui s'active à ce moment-là, qui fait perdre beaucoup de temps. Oui, et du coup, avec ce glitch, on peut skipper complètement cette cutscene. Donc, glitch pas trop difficile. Et donc, on va se diriger vers le marais. Oui. Du coup, à la base, avec le glitch qu'il était censé faire dans la grotte, il était censé se téléporter dans une grotte qui est au Palais Mojo, et donc directement arriver là-bas. Donc là, en backup, il va aller au Palais Mojo, comme ça, en fait, en passant par cet endroit-là. On peut d'ailleurs préciser que cette grotte n'existe pas, techniquement n'existe pas dans la version anglaise. Et parce que quand on sort de la grotte après, quand on est au Palais Mojo, on sort d'une grotte, mais en fait, il n'y a pas de grotte derrière nous. Quoi, on sort un peu au milieu de nulle part. Ouais, là, c'est ça, ouais. Et en fait, c'est parce que ces grottes existaient, mais dans la version japonaise du jeu. Et faisaient un espèce de raccourci, un espèce de lien entre les deux parties du Palais Mojo. Le layout du Palais Mojo est complètement différent dans la version japonaise. Et du coup, on utilise en fait cette grotte, mais qui existe toujours, finalement, dans la version anglaise. Elle n'est juste jamais utilisée. C'est ça. Et ça nous permet de nous téléporter. Alors là, normalement, on est censé aller sauver la sorcière dans les bois perdus, donner une potion rouge pour ensuite pouvoir faire la croisière et passer l'Octorok, Big Octo. Tout à fait. Mais il y a un glitch pour passer le Big Octo. Glitch assez facile, a priori. Assez facile, ouais. Il va falloir faire un damage boost depuis la fleur pour atterrir directement en haut à côté du Octo et se transformer instantanément en Mojo et Void dans l'eau. Et en fait, quand on Void en Mojo, on a beaucoup de frames d'invulnérabilité en sortant de cet état de void, et c'est ça qui va nous permettre de passer à travers l'immense zone de grab du Big Octo. Et c'est ça, ouais. Et là, c'est tout pile. Et on arrive de l'autre côté.
Et donc là, on arrive là où on était censé arriver à la base avec le glitch de la grotte. Ah, les musiques de ce jeu, quand même, c'est vraiment c'est goldé. Hein. Ocarina of Time et Majora's Mask. Ah ouais. Quand même, Donc là, on va aller chercher la sonate qui va nous permettre de. C'est pour faire le premier donjon. Tout à fait. Donc d'abord, on va voir comment Sirzax va se diriger vers le singe pour récupérer la sonate, puisque normalement, évidemment. C'est les haricots magiques avec l'eau, etc. C'est tout un chemin à faire, mais non, on peut juste arriver sur cette espèce de contour de porte. Et on va se mettre dessus, aller sur la plateforme qui contient la fleur Mojo, qui, par chance, se trouve presque à la fin du parcours, c'est finalement, ça. Et nous permet de skipper totalement le parcours et d'arriver au singe directement à la fin. Ouais. Beaucoup plus vite que si on devait aller acheter le haricot magique et tout. Donc là, on va arriver dans la sonate. Ah. Les collisions sont assez bizarres. J'en profite pour vous couper, on a dépassé les 350 000 balles sur la cagnotte. Allez, let's go. Non. Ah, il a pas compris. Ah là là. Zach, tu n'as pas compris l'histoire. Non, j'ai pas compris son histoire. Ah, tu passes les techs trop vite aussi. Hein. Et donc là, il nous chope pas, hein, alors qu'on n'est pas censé être là normalement. Bon, vous pouvez lire quelques dons, je pense, pendant une minute. Allez. Pardon. 100 euros de hibou qui dit je suis caché, mais je donne. 100 euros. J'étais caché. 100 euros de Master Café également. 200 euros anonyme qui dit epsilon minuscule strictement supérieur. Tout à fait. On a 100 euros de Leïta qui nous dit bravo à tous pour ce superbe event. 50 euros d'Anonymous. Merci aux staffeurs, aux runners, aux ambianceurs, aux commentateurs, aux vieux monsieur et à tous pour nous faire vibrer pour ce moment exceptionnel. Et n'oubliez pas, les dons, c'est comme mon sac pantalon. On les bourre à fond. Très bien. Oui, j'ai la ref. Spilia, 7,56€ qui dit merci Arco pour le Jap. Il m'a demandé de le rembourser sur Spidon. C'est fait avec plaisir. 5,200€ Gin. Merci à toutes les personnes qui font de cet événement un moment incroyable. Et bien sûr, le chat et le public qui mettent une ambiance de folie à tous. Hip hip hip. Hurrah. Bravo. On a 252 euros de Nathanaël Targaryen. Non, je suis sûre que je dis mal. À Speedon 1, je venais voir Marco sur Twilight Princess et puis j'ai découvert Shishayu et mis 510 heures pour faire un dead code. Voici 1 euro pour chaque 2 heures. Cœur sur vos manettes et je retourne finir Elden Ring pour la 3e fois, histoire d'être à jour pour demain soir. Nickel. Voilà, donc, à vous. Là, on va essayer d'aller chercher la sonate avec un petit trick assez sympa où on a le champ de l'envol. Le champ de l'envol, pardon. La sonate, on vient juste de l'avoir. Et donc, bon. Donc, c'est un petit trick pour skipper. Un petit peu de parcours, et ça nous fait une petite time save, c'est sympathique. Donc là, on va avoir le champ de l'envol, et ça va être enfin le fameux glitch qui nécessitait le hidden hole. Effectivement. Et donc, vous allez voir que Sirzax va ouvrir le menu, il me semble, pour positionner le curseur de la carte, puisque quand on ouvre le menu, on a une carte qu'on peut afficher. Et donc plusieurs curseurs qui s'affichent en fonction des endroits qu'on a déjà visités. Vous allez voir qu'il va se positionner le curseur à un endroit spécifique. Et il va pouvoir jouer le champ de l'envol après. Et en fait, eh bien le champ de l'envol va positionner son curseur en fonction de l'endroit qu'on a visité sur la chouette qui n'existe pas. C'est ça. Donc en fait, on est obligé de visiter des zones pour ensuite pouvoir téléporter à des hiboux qu'on n'a pas activés. Tout à fait. Donc sa prochaine étape, il va se diriger... vers le village de la montagne chez les Gourons. Donc s'il met son curseur sur l'emplacement du palais Mojo, c'est ce qu'on va voir ce qu'il va faire, voilà. Donc là c'est... merci. Ça va lui ouvrir le menu du champ de l'envol et il va juste bourriner A et ça va l'emmener au hibou de la montagne. Vous avez vu, il y a la map qui est... vous l'avez vu très brièvement, la map qui était vide. Oui, il n'y avait aucun hibou activé, ouais, c'est ça. Il ne faut pas bouger le stick d'ailleurs. Oui, mais sinon on crache. Ouais. Donc on voit que le hibou n'est pas activé, on s'est téléporté quand même dessus. Et c'est pour ça, du coup, puisque, comme on l'a expliqué, il ne faut surtout pas activer de hibou, sinon... Ça annule le glitch. Exactement, en fait, le curseur va se remettre sur le seul hibou qu'on a activé par défaut. Donc là, ce serait la montagne. Ben, clairement, c'est... Ah ben, ce serait une énorme erreur, ouais. Donc
Donc là, on se dirige vers le village Goron. Alors, c'est assez marrant parce qu'il va aller au village Goron, il va juste récupérer un bomb drop et ensuite il va partir instantanément. Donc, c'est par rapport au truc qu'on a expliqué où, selon l'endroit où on met notre curseur sur la map, ça va nous téléporter quelque part. Donc là, on va venir ici juste pour activer un point sur la map pour qu'il soit disponible pour téléporter un autre hibou. Là, il joue champ de la vol instantanément sans même ouvrir sa map. Donc, par défaut, ça nous met automatiquement à la Grande Baie. Du coup. Exactement. Notre prochaine destination qui est la Grande Baie. Pour aller récupérer un masque qui va énormément nous servir. Le masque, masque Zora. Oui. Sachant qu'il y a, du coup, il y a un glitch exclusif, comme tu disais tout à l'heure, pour skipper la cinématique du Zora qui marche sur la plage. Tout à fait. Et donc on va ramener le Zora à la plage. Et en fait, je ne sais pas si vous remarquez, mais le Zora a un petit effet de va-et-vient qui va en haut et en bas. Et en fait, on va positionner Zora à un endroit précis sur la plage. Et on va ensuite s'avancer, sortir l'ocarina, jouer le champ du temps accéléré. Et pendant la cutscene du champ du temps accéléré qui nous emmène finalement la première nuit, la cinématique du Zora va s'activer. Et quand on sera sorti de cette cinématique du champ du temps accéléré, le Zora sera directement à l'endroit où... Oui, on a débloqué une incentive pour ça. Je sais pas si vous entendez le piano. Ah oui. Ah. On entend pas Nous, on l'entend. Ah, je l'ai entendu, moi. Ouais. C'est fort, non? C'est jamais assez fort. Et donc on obtient le masque Zora qui va être super utile dans la run. D'ailleurs, c'est les deux seuls masques de transformation qu'on va récupérer dans la run, le masque Mojo et le masque Zora. Malheureusement, on ne verra pas le masque Goron parce que c'est trop long d'aller le chercher. Il ne nous servira pas à grand chose. Le masque Zora est indispensable pour rentrer dans le temple de la Grande Baie. Je crois que le donjon ne peut pas s'ouvrir si on n'est pas en Zora en jouant le champ. En effet. Alors que le donjon de la montagne, lui, n'a pas besoin d'être en Goron, enfin. Dans le jeu de base, bien sûr, en casu, oui, mais avec des glitches. Même pas prendre le champ, en fait. Ouais, même pas prendre le champ, effectivement. Je vais aller prendre un bomb drop pour être safe. Devant la statue. Ouais. D'accord. Exactement. Alors là, petite optimisation. En fait, si vous équipez un masque et que vous en avez déjà un d'équipé, vous ne tapez pas la cinématique qui vous présente le masque lors de la première transformation. Ça sauve quelques secondes. C'est assez négligeable, mais on prend. Et du coup, après, il faudra que tu rentres dans le théâtre Zora pour activer un curseur sur la map, encore une fois. Oui. Pour pouvoir revenir ici, justement. Quand on met le curseur sur le théâtre Zora, ça nous téléporte justement à ce hibou-là. Ça sera pour plus tard. Voilà, on va rentrer là et partir juste pour avoir le curseur sur la map. Tout à fait. Notre prochaine destination, ce sera le premier temple du jeu. Oui. Qui se trouve au Bois Cascade. Et donc, pour ça, on va positionner le curseur sur le Pic des Neiges. Donc bien sûr, ça n'a pas de sens, hein, clairement. Oui, l'endroit où on positionne le curseur n'a aucun rapport. Enfin, des fois ça a un rapport, des fois non. Oui, voilà, ça dépend. Ouais. Il y en a certains qui crachent aussi. Donc, exactement, oui. Attention. Voilà, ça nous amène ici. On va pouvoir jouer la sonate pour ouvrir le donjon. Et donc surtout, dans cette route, ne pas récupérer de noix ni de bâtons. Pas encore, on l'expliquera plus tard, après le temple, pourquoi.
petite 30 secondes de cinématique. Le Templier apparaît caché sous l'eau empoisonnée. Alors on va entrer dans le donjon, on va prendre l'arc. L'arc qui est vraiment indispensable pour finir le jeu. Très clairement, ouais. Et qui est pour, indispensable pour finir des bois cascades de toute manière. What? Normalement. Normalement, oui. Mais dans ce cas-là, on pourrait s'en passer. Faux absent, oui. Mais pour les autres donjons, on sera obligé de l'avoir. D'ailleurs, petit fun fact, on n'est pas forcément obligé de faire les donjons dans l'ordre dans cette catégorie, mais il s'avère que cette fois-ci, on les fait dans l'ordre. Cette fois-ci, on les fait dans l'ordre. Ouais. Il y a eu plein de changements de route. Il y avait des époques où c'était vraiment complètement dans le désordre. Mais là, cette route-là, c'est redevenu dans l'ordre. Ouais. Alors là, on va faire un petit méga flip pour atterrir sur la torche et pour skipper une partie de donjon. Ah, mais d'abord, on va mettre le deuxième jour. Ouais, le deuxième jour qui va nous servir plus tard. Mm. C'est pratique de le faire ici parce que du coup ça skip la cinématique de la nuit qui arrive ou du jour qui arrive là, c'est le jour. Oui. La cinématique de transition de jour est complètement skippée dans les endroits où il n'y a pas forcément d'impact au niveau des acteurs, etc. C'est ça, dans tous les donjons ça marche. Oui. La méga flippée, il va essayer d'atterrir pile sur la torche, c'est très précis. Dual buffer pour être safe. Normalement ça devrait passer. Et ça passe. Ah, ça bravo. Donc ça skip vraiment les trois quarts du donjon. Ouais, c'est ça, ouais. Parce qu'il faut vraiment aller chercher la clé, ouvrir la faire porte. Faire le tour par le haut. Voilà, pas par le bas et ensuite monter. Aller dans une salle un peu noire et puis ensuite passer la salle. Donc vraiment, on gagne énormément de temps avec ce petit skip. Le premier mini-boss du jeu, attention, est devant. Ah, dommage. Ah, il est un peu RNG. Oui. Donc on peut perdre du temps un petit peu sur ce mini-boss, mais bon. Mais bon, il est assez trivial. Oui. Et donc on va récupérer l'arc. Effectivement, dont a priori on ne devrait pas avoir à se servir pour le reste du donjon. Oui non, là on va aller au boss assez vite. D'ailleurs on va même pas prendre la clé du boss. Effectivement, on va en fait comme on l'expliquait pour l'alternate exit, l'entièreté du donjon est chargée. Simplement, le jeu ne charge les textures et les acteurs que de la salle dans laquelle on est. C'est ça. Et sauf que les loading zones sont quand même présentes, ce qui fait qu'on va pouvoir atteindre la porte du boss. C'est ça, donc on va passer out of bounds et réussir à toucher la zone de chargement du boss qui est activée n'importe où dans le donjon en fait. Ouais. Donc on va monter sur ce pilier en faisant un hover. On va se transformer en Zora. Ah, il faut target le missile pour pouvoir se tourner et agripper le rebord en hauteur comme ça. Donc après on va faire un ledge clip. Donc si on target à la première frame où on s'agrippe au bord, Link qui va clipper à travers le pilier. Prochaine frame, voilà celle-là. Voilà. Et donc là, il clip à travers et là, on va commencer à faire des méga flips. On se retrouve à out of bounds et on va pouvoir faire des méga flips pour et bien finalement accéder à la porte du boss et skipper complètement la clé du boss. Ah, donc là, on équipe l'arc pour rezoomer la caméra. Normalement, en faisant un target, on peut réavoir la bonne position de la caméra, mais c'est une backup du coup. Voilà, parce que c'est très précis quand même de pouvoir target. En fait, ce qu'on target, c'est le missile juste avant qu'il explose. Voilà, c'est réussi. J'ai peur. C'est un trick difficile et si on le rate, c'est très très punitif. Donc c'est difficile de continuer le run en fait si on rate. Oui. C'est vraiment un soulagement de réussir plaisir. Ce trick. Hein. Donc un boss très dangereux qu'on va voir là, attention. vraiment un combat très difficile à... Et voilà. Wow. Ouf, ah bon. J'ai eu peur là. Ah c'était ouf. Chaud. Je suis presque mort là. On va pas récupérer le cœur. Déjà parce que c'est lent et ensuite parce que il y a des tricks plus tard qui vont nécessiter qu'on ait pas beaucoup de vie. Ça, vous le verrez d'ici une dizaine de minutes, je dirais. Bon, on n'en a pas besoin, de toute façon. Effectivement. Des glitches, notamment, qui vont nous permettre de skipper des cinématiques de ce genre, la cinématique des géants. Mais pour cette cinématique, on a absolument besoin de la voir, car on va apprendre l'hôte de l'appel, et l'hôte de l'appel est nécessaire pour aller sur la Lune. Et si on skippait cette cutscene, en fait, on n'obtiendrait pas l'hôte de l'appel, et on serait tout simplement complètement bloqué, puisque cette cutscene n'apparaît plus jamais, en fait, si on la skip. Et donc, toutes les autres cutscenes de fin de donjon, on va les skipper. On n'a pas trop parlé de comment finir le jeu de base, mais il y a 4 donjons. Chaque donjon va libérer l'esprit d'un des géants, donc ces types-là. Et tant qu'on n'a pas fini les 4 donjons,
on a l'incapacité de stopper la lune. Il va falloir qu'on joue l'hôte de l'appel à minuit, comme ce qu'on a fait quand on a récupéré l'Ocarina en Mojo. Et c'est le seul moyen de terminer le jeu sans les glitches majeurs qui sont bannis dans cette catégorie, dont le SRM. Et le mot noir, du coup. Tout à fait. Qu'on showcase s'il y a beaucoup de sous. Je pense qu'on peut faire quelques dons, parce que la carte cinématique est un petit peu longue. Tout à fait, yes, let's go. Oui. 3 euros d'Alicia qui dit « Let's go les runners, les castors et les ambianceurs, un taf de malade sur cet event, bravo ». On a 100 euros de Kozan qui nous dit « bon speed don à tous et à toutes ». Enko qui donne 5 euros actuellement dans la salle avec une ambiance de fou, merci à tous les staffs, MV les runners et les ambianceurs, et surtout ce public de folie, ouais, 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 bien sûr. On a Trollololo qui met 5 euros, j'espère que Zelda va sauver la princesse, bourrez les dons et merci MV et l'orga. On a 50 euros de Amel Benz qui nous dit « Visez la lune, ça ne me fait pas peur !» Merci. Léa qui donne 10 euros et qui dit « Allez, sur Zach, mec, bro, frérot, hermano, si tu pb pas, tu dors dans le lavabo !» On a le jus de Mintos qui donne 5 euros. Courage aux runners, merci à eux, aux casteurs, aux ambianceurs et au public. Bravo le public. Tu ne pas ça dans ton double VR de... Fan de musique. Visez la lune, si je le chante, mais c'est totalement une ref. Annie Roux qui donne 50 euros et qui dit merci à tous pour l'événement inférieur à 3. 5 euros de Squalala qui dit nous sommes partis. 20 euros de strictement inférieur à 3. Mon jeu de cœur, casse-moi ça en deux. Et 50 euros de Louli qui dit merci à tous pour ce week-end de folie. Cœur, Yurei Pani qui donne 5 euros, le premier salaire de ma vie et déjà philanthrope. Bravo. 20 euros de Narga qui dit en vrai, le meilleur FF ce serait pas Zelda Majora's Mask par hasard. Exactement. 30 euros de Tin, 50 euros de Nicotine Chan. Pourquoi tous les runners sont des craquitos? Il est même pas dimanche et je commence à manquer de rein, moi. Bref, allez, Sir Vax. Non, c'est pas Sir Vax. On a Twinax qui donne 3 euros, Bogan qui donne 3 euros, Jusco qui donne 3 euros, Anonyme qui donne 10 euros, Chacha Meilo qui donne 5 euros en disant Zelda à cœur. 5 euros de Munlias qui dit vive la vitesse et viva Majora, meilleur Zelda ever, les rageux diront Ocarina of Time. Je dis pas non. C'est les Balan qui donnent 3 euros, Nefermandias qui donne 20 euros. 50 euros de Sun Zero, petit don depuis le public pendant Majora's Mask. Quelle dingue cette ambiance! On rappelle le meilleur FF, c'est toujours Kingdom Hearts 2. Yatify Cloud. Ah, alors on a le son du jeu qui donne 5 euros pour nous dire bonsoir, je suis un peu trop fort. Peut-être que depuis ça a été réglé. Allez, à vous. Ah voilà, la cinématique est terminée. Alors, normalement on est censé sauver la princesse Mojo là, mais ça nous intéresse pas trop. On va aller directement au bois perdu, enfin au bois mystère. Et c'est pour ça que ça va essayer de nous faire un HESS, Hyper Extended Super Slide, pour aller jusqu'au bois perdu. Et donc il pose une bombe sur le nénuphar. Bravo. Et faire le... Alors, ça c'est très difficile. Très difficile, ouais. Sachant que t'as un seul essai pour le faire. Oui, hein. Parce qu'après on peut plus poser de bombe dans l'eau, elle s'éteint toute seule. Donc Zora il peut pas porter de bombe. Exactement. Et Link humain est trop petit pour marcher sur l'eau en c'est plus. Ça. Donc là on va activer la sorcière, mais on va pas activer sa cutscene, on va juste activer son existence. C'est ça, oui. Le fait qu'elle soit dans la forêt. Voilà. Et du coup on va. La raison pour laquelle on est venu au premier jour du coup, c'était pour que la sorcière soit directement dans les bois mystères. Plutôt que oui, dans sa hutte. Exactement, parce que bon, monter les échelles c'est quand même long. Alors que là on peut directement parler à sa sœur, du coup, Kume, pour voir qu'elle est blessée. Et ensuite parler à Kotake pour lui dire oh mon dieu elle est baissée, et c'est là qu'elle va nous donner sa bouteille, et comme elle est vraiment juste à côté, même très pratique. C'est plutôt pratique. Et en plus de ça, il se trouve que chaque jour les bois perdus sont différents, et au jour 2 il y a une grotte qui est exclusive, qui est que au jour 2, qui va être très utile parce qu'on va aller chercher des noix, des bâtons, et on va faire des dingueries dans cette grotte. Très clairement, il va se passer beaucoup de choses dans cette grotte. On va mettre pas mal de bouteilles dans notre inventaire, remplacer l'ocarina par une bouteille, faire très attention pour pas le perdre. Ça, il va y avoir des trucs. Là, on va récupérer la bouteille, potion rouge. Et donc, on va même pas aller sauver la sorcière, en fait. La non. Bouteille, on la prend juste pour nous. Ah oui, on va la boire, même. Voilà, okay. Clairement. Complètement. Cette bouteille n'est clairement pas pour la sorcière. On va la boire, on va prendre un poisson, quand même. Un poisson à la place, oui. Et... Là, voilà, on va dans cette grotte. Et donc, on va faire un truc qui s'appelle Equip Swap, pour équiper l'ocarina, mais un ocarina qui est en fait sur l'emplacement de l'arc. Voilà, on voit d'ailleurs que dans l'inventaire, c'est l'arc qui est entouré d'un carré blanc, pour dire c'est comme si l'arc était équipé, mais c'est l'ocarina en fait. Tout à fait. Et donc ensuite on va... Lol. Pardon. Donc il est que ça fait une bouteille sur l'ocarina.
Et donc là, actuellement, il a remplacé son Ocarina par, une, par un poisson. Mais il a l'Ocarina mais équipé. Mais il a l'Ocarina parce qu'on l'a équipé soi. Parce qu'on à la place de l'arc, c'est ça. Et donc, il va, quand il va vider cette bouteille avec le poisson, en fait, l'Ocarina dans l'inventaire est remplacé par la bouteille. Voilà, donc là, c'est déjà le cas, en fait. Hein. Ah oui, c'est déjà le cas, puisqu'il a chopé le poisson. C'est ça, voilà. Donc là, il a plus d'Ocarina. Enfin, si, il a toujours un Ocarina, parce qu'il est en train de jouer, mais dans l'inventaire, il a pas d'Ocarina. Donc, il faut qu'il fasse très attention, parce que s'il équipe quelque chose par-dessus son Ocarina, c'est foutu. Il a vraiment plus d'Ocarina. Exactement. Et il faudra quand même, à un moment de la run, qu'il récupère son Ocarina, car on ne peut pas activer la cutscene des géants et bugger. Si on n'a pas d'Ocarina dans l'inventaire, d'accord, on ne peut pas accéder à la lune. Donc c'est très important de récupérer à un moment de la run. Donc là, on va se diriger vers la forteresse des pirates pour aller chercher le grappin. Un petit super swim pour aller un peu plus vite. Nice. Donc ça va, c'est un trick un peu difficile. Il faut appuyer sur A et B pour remonter à la surface et plonger. Et en fait, Link garde un peu la vitesse qu'il avait quand il est rentré dans l'eau en faisant ça, ce qui permet d'aller un peu plus vite que de juste nager. Il faut faire attention parce que si on touche le sol, ça annule le glitch complètement. Exactement. Ouais. Et si on remonte à la surface aussi. Pareil, oui. Donc là, on va aller récupérer le grappin. Sachant qu'on n'a pas le masque Goron, normalement on est censé activer un switch pour passer par les égouts en Goron. On aura du coup, mais activer le switch en Goron. Et là, on va faire du coup un over, encore une fois. Hein. On va l'éviter avec les bombes. Un méga flip. Pour skipper le grappin à cet endroit-là, en tout cas. Effectivement. Normalement, c'était un raccourci ici, mais. Pour revenir, oui. Les raccourcis, c'est bien pratique sans grappin aussi. Voilà, donc. Deux over la bombe, puis un méga flip, et normalement, ça passe de l'autre côté. Je vais jouer safe. Tu vas faire un troisième over, du coup. Ah, ok. Je peux me permettre. T'as raison. C'est aussi pour ça que les bombes sont très importantes, car vous voyez, il n'a déjà plus que 6 bombes et il a joué safe en bombe. Donc clairement, la run peut se jouer juste simplement sur le manque d'explosifs. Et là, on voit d'ailleurs qu'il a fait gaffe quand il a équipé son arc. S'il équipe juste son arc, normalement, ça va encore remplacer son Ocarina, parce que c'est l'Ocarina équipé sur l'arc. Enfin, c'est ultra compliqué. C'est très compliqué. Et du coup, il a fallu qu'il équipe swap son arc pour équiper son arc, c'est assez drôle, mais ouais, c'est très. C'est... Il faut surtout pas simplement qu'il équipe par-dessus son Ocarina, car sinon il a plus d'Ocarina. C'est ça. Faut pas qu'il équipe l'arc normalement, quoi. Exactement. Voilà, on va pas trop respecter cette pirate. Ah, bah, il a ok. Et donc, normalement, il y a une petite cutscene qui s'active avec les pirates qui parlent entre elles, qui parlent des œufs, etc. Mais il s'avère qu'avec en reculant un peu, en prenant un angle un peu précis, on n'a pas besoin d'activer cette cutscene. On peut directement toucher la ruche et on pourra récupérer le grappin. Sachant que pareil, du coup, sur la version japonaise, ici, on aurait pu gagner du temps parce qu'on aurait pu rentrer par la porte de devant directement parce que la Gerudo est plus éloignée de la porte. Mais là, on est obligé de passer par là dans la version américaine. Tout à fait. On aurait pu directement tirer sur la ruche depuis en bas, mais là, ce n'est pas possible. Et donc, on récupère le grappin. Ouais, et on va récupérer un œuf aussi pour commencer la quête de la New Wave Bossa Nova. Ça fait très important, les œufs, car on est obligé d'avoir la New Wave Bossa Nova pour accéder au temple de la Grande Baie. Mais on va récupérer que celui-là, d'œuf. Oui. On n'a pas besoin de plus, un seul ça nous suffit. Alors que normalement il faut en déposer 7. Oui. Et on va en déposer 7, mais à partir mais que d'un seul. Ah. Alors. Ah oui, alors montrer l'œuf, apparemment tu m'avais dit que c'était pas très bien par rapport à un glitch plus tard dans la run. Tout à fait. Mais il y a une backup. Il y a une backup qui devrait normalement ne pas nous faire perdre trop de temps. Bah, c'est ce dont tu parlais, qu'il va falloir récupérer l'Ocarina à un moment. Et je crois que c'est ce glitch-là qui ne marchera pas. Ouais, ce sera exactement. Ah, c'est pour les flèches de lumière, oui. D'accord. Bon, là pour l'instant, en tout cas, il va. Pour l'instant, on n'a pas à s'inquiéter. C'est pas très grave. Ce sera pour... de bien vouloir compter. Oui, donc là, il va falloir déposer les 7 œufs. Du coup, pour déposer 7 œufs, alors qu'on en a qu'un, il va falloir faire encore une fois le même glitch de l'equip swap. Donc il va mettre son curseur sur l'œuf, ensuite partir à gauche dans l'inventaire, revenir à droite et équiper l'item, ce qui va lui dupliquer l'œuf. Voilà. Donc là il a équipé l'œuf, mais pas celui. Donc ça fait un. Ça fait un œuf. Donc il faut en déposer 7. Ça fait. Donc il faut qu'on en duplique 6 et on déposera le dernier. C'est ça. Deux. Bouteille. Ça fait 2.
2. Trois. Ah, il le first try à chaque fois. Hein. Ah ouais. C'est quand même du 1 trentième de seconde à chaque fois le trick. C'est un trick frame perfect, ouais. Pas facile à faire et qui fait pas forcément perdre beaucoup de temps quand on rate. Mais... On peut le refaire en boucle, ouais. Donc ça. Ouais. Mais... Et j'ai Jinx, bien sûr, mais. Classique. 4. Oui. Pitié. Ah, donc on a vu les deux situations. Si on est trop tôt, on n'équipe rien. Et si on est trop tard, on équipe la bouteille, voilà, normalement. Et quand on le fait bien, voilà, on équipe. 5. On équipe un 9 par-dessus la bouteille vide, en fait. C'est un peu bizarre visuellement. Oui. C'est la bouteille avec un 9 par de la bouteille vide. Oui, c'est ça, oui. 6. Et 6. Voilà, et après, il n'y a pas besoin de refaire le glitch, on peut juste dropper l'œuf qu'on a pris de base dans la bouteille qui est sur les noix. Exactement, ça, c'est plus rapide et ça nous libère une bouteille, donc évidemment, on le fait normalement. Et donc on met le curseur sur bourg-clocher. Donc la petite cinématique, et ensuite on va essayer de skipper la cinématique des œufs qui nous apprennent la New Wave Bossa Nova. Exactement. Spam en pause, ou l'Ocarina, ça marche aussi, on peut juste warp. Et là, vu qu'il a mis son curseur sur Clock Turn, ça va le warp à la route du lait. Exactement, car on va récupérer une bouteille de lait qui va nous servir pour un trick plus tard appelé Remote Hookshot, ou oui. On peut l'appeler Télégrappin après tout. Oui. Ça sert aussi pour le GIM, le Get Item Manipulation. Ça sert pour beaucoup de choses. Donc là, il a réussi la cinematic skip. En gros, on a deux frames pour appuyer sur pause, et même principe que tout à l'heure, le jeu est incapable de lancer des cinématiques s'il n'y a pas deux frames consécutives qui se suivent. Du coup, on peut juste se téléporter et la cutscene, enfin le champ a été appris. Exactement. Ça régale. Donc là, tout à l'heure, il a pris un rubis violet dans la grotte pour pouvoir acheter le leg, coûte 50 ici. On va arriver un peu au moment terrible de la run. Oui, Snowhead Hess, probablement le voilà. Trick. Le plus difficile. Donc un glitch. Le glitch qui permet en fait de rentrer dans le temple du Pic des Neiges sans avoir la perceuse Goron et sans avoir le masque Goron aussi. Ça fait. Donc il va falloir faire tout le chemin avec le vent qui souffle à l'envers avec un HESS du coup. Et un ISG pour pas tomber dans le vide. Oui. Et ce glitch est exclusif à la version américaine et c'est ça qui la permet à elle d'être plus rapide aussi. Exactement, ça fait partie des tricks très intéressants pour la version anglaise. Mais aussi extrêmement difficile car il faut savoir que sur la version Wii, eh bien, il faut maintenir le joystick sur une position très précise sur toutes les versions et sur la version Wii, cette position aussi, ouais. Est extrêmement petite. Donc c'est vraiment un trick pas évident à exécuter. Il a raté son ISG, donc il faut qu'il le refasse avec le bon cycle de vent. Ouais. Donc là, c'est extrêmement difficile. Oui, parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de boules de neige sur le passage. Oui, en plus. Ouais. Vu qu'il a raté son ISG, le cycle n'était plus le même. Donc là, en plus, la position n'est plus la même, donc il faut qu'il joue le champ devant. Je vais essayer une fois, et si ça marche pas, faire le strat. Il y a une autre strat, du coup, en backup. Il y a une backup qui est plus facile, et qui va nous permettre d'expliquer, du coup, le trick remote hookshot. Mais bon, on va espérer ne pas avoir le temps de l'expliquer. Exactement. Parce qu'à chaque fois, il faut se re-téléporter pour avoir le bon cycle. Un peu la misère. On perd aussi le temps de la cinématique, du champ de l'envol. Ouais, tout doit se faire depuis la séquence de départ quand on arrive dans la zone, parce que les boules sont toujours au même endroit, le vent souffle au bon moment. Après, le vent est quand même un petit peu RNG, hein, si je dis pas de bêtises. Oui. Pas exactement toujours au même moment. Exactement, le délai entre deux coups de vent... Oui, il change à chaque fois. Donc là, il a eu l'HESS, c'est bien. D'ailleurs, on voit que l'ISG est activé parce que le bâton a une petite traînée blanche derrière. Ça doit être vraiment le plus dur de la run, celui-là. Hein. Très clairement. Sachant qu'à chaque fois, il doit alterner entre pousser tout doucement le stick vers la droite, puis à chaque fois qu'il met pause, il alterne tout doucement le stick vers la gauche, parce que selon la direction dans laquelle il tient le stick, il va tourner soit vers la droite, soit vers la gauche. Link. C'est ça. Donc là, il est un peu bloqué. Et la position est beaucoup trop précise pour pouvoir le faire. Ah, dommage. Tu retentes une dernière fois ? Une dernière fois. Il faut savoir en plus que ce glitch n'est pas trop punitif. Car en fait, on n'utilise pas d'explosif, on utilise une bombe, mais on a un drop de bombe qui apparaît. Ok, il va faire la backup. La backup.
Donc le trick que j'expliquais, le remote hookshot, donc ça consiste à avoir le hook de le grappin de sortie et d'avoir de boire une bouteille de lait complète. Et d'avoir une bouteille vide équipée en même temps aussi. Et d'avoir une bouteille vide équipée en même temps, exactement. Sauf que là, on n'a que 3 emplacements de disponibles et on en a déjà un qui est occupé par l'ocarina. Oui. Et qu'on ne peut pas remplacer. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va équiper la bouteille vide par-dessus le lait, mais à une frame qui va nous permettre quand même de garder le glitch actif. Voilà, ce glitch-là, donc on voit le grappin qui part derrière là. Voilà, et donc. En fait, il devait agripper. Le poteau qu'on voit un peu plus loin. Il a visé plutôt, il c'est a ça. Visé le poteau. Voilà, il a visé un poteau et en fait, on a entendu le son du grappin quand il a sorti le grappin. Mmh. Il a sorti le grappin et un coup de grappin est sorti. Et en fait, ce coup de grappin sort de l'endroit où il était quand il a bu le lait. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, en fait, c'est ça que j'essaie de faire, c'est de ranger son grappin au moment où le grappin va toucher le pilier. D'accord. Et c'est ça drapeau. Qui va le mettre. Bah, Vous le verrez quand le glitch sera réussi, ça va nous permettre des dingueries. Et donc ça c'est frame perfect du coup, le truc qu'il a raté à la fin. Ah, il a encore raté. Alors heureusement on peut equip swap du coup le lait. Et recommencer à la chaîne en fait. Exactement. Donc ça c'est très utile parce que si on était dépendant de ce trick... Il faudrait retourner du lait à chaque fois. Reprendre des rubis, ouais. Heureusement que l'équipe existe. Oui. Ok, là ça passe. On équipe le lait par-dessus, la bouteille vide par-dessus. Donc, faut équiper la bouteille vide à la première frame où tu reprends le contrôle de Link. C'est en fait. Ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça va empêcher Link en fait de ranger sa bouteille c'est vide. Ça, ouais. Et du coup, il a une bouteille vide à la main. On voit qu'il l'a à la main, ouais, c'est ça. Et quand il va sortir le hookshot, voilà, on l'entend. On a entendu le coup de grappin. Et là, normalement, voilà. Et donc là, en fait, il est dans un état où il flotte complètement. Donc là, il va faire ça jusqu'à ce qu'il rentre dans le donjon, en fait. C'est ça. C'est ça. Exactement. Et en fait, il faut savoir que dans cet état, Link ne peut pas bouger. Enfin, il ne peut pas bouger normalement. S'il court, on voit l'animation de course. Mais il ne bouge pas. Il ne bouge pas. En fait, il reste bloqué complètement. Et il donne des coups pour avancer, quoi. Exactement. Et donc, il peut prendre de la hauteur quand même grâce aux collisions de sol, mais il ne peut pas tomber. Donc grâce à ça, en fait, on se positionne ici. Et évidemment, comme on ne peut pas bouger, le vent ne nous affecte pas du tout. D'accord, ouais. Ce qui est extrêmement pratique. Là, s'il touche le stick, il est juste bloqué dans l'air et il ne se passe rien. Voilà, c'est ça. Ouais, d'accord. Ouais. Alors par contre, il y a certains mouvements qui peuvent softlock. Donc, a priori, c'est pas grand risque. Il faut toucher au bouton A et a priori, on ne touche pas au bouton A ici. Mais on peut softlock dans cet état. Ah, parce que A, ça fait l'attaque sautée du coup. Et voilà, par exemple, l'attaque sautée, side up, backflip, etc. Et c'est terminé. Alors on va tout doucement se diriger vers l'entrée de Snowhead et on va pouvoir expliquer peut-être très brièvement avant qu'on arrive un trick qui va se faire à l'entrée du jonc qui s'appelle Action Swap. Donc on va équiper le grappin, sortir le bâton au moment où il va y avoir une textbox de Taya qui va se déclencher. Et en fait le bâton, le grappin ne va pas se ranger, on va entendre le bâton qui va sortir mais le grappin ne va pas se ranger. On va interrompre en fait le fait de sortir le bâton. Et ça va nous permettre d'avoir des propriétés très, très spéciales avec le bâton. Pardon. C'est les actions de Link qu'on va un petit peu manipuler, on va pouvoir faire l'action de Link qui tire une flèche de feu pour dégeler la glace. Ah, bravo. Link qui est rentré dans Snowhead. Sans la berceuse Goron. Donc là, il va faire instantanément le glitch dont tu parlais avec Taya qui te parle par rapport au bloc. Là, il équipe le grappin, le bâton. Et dès qu'on touche le sol, on sort le bâton. Alors, on a entendu le petit bruit du bâton. Voilà, donc là, le glitch est activé. Il va utiliser le bâton. Et magie. Et voilà, le bâton sort une flèche de feu. Ah, il a eu la bonne RNG pour la bombe drop. Petit recoil flip, très impressionnant. Donc là, il va essayer d'agripper une torche avec le grappin. C'est très précis. Alors là, on la voit même pas la torche, mais il y a un petit pixel qu'on peut réussir à toucher avec le grappin ici. Avec un setup direct. Et là ensuite il va faire un glitch, donc remote hookshot, le même glitch où tu bois le lait et du coup on fait bugger le coup de grappin. Exactement. Et là ça va être pour aller très haut pour faire un hookshot jump. Pour faire un hookshot jump, on va s'en servir pour monter. Alors, en fait c'est le grappin qui touche, je crois, un mur où en fait on touche deux fois la torche en quelque sorte et du coup le jeu ne comprend pas trop et on saute et voilà. Et on arrive directement devant la porte du boss. Ah. Et donc on va pouvoir également skipper la clé du boss. On va skipper la clé du boss avec un recoil sur le côté. Oh là, très beau. Magnifique. Magnifique. Très bon Snowhead. Ouais. Snowhead était de qualité. Un donjon expédié.
Et donc là, pareil, on n'a pas les flèches de feu. Donc comment on va faire pour dégeler? On va faire exactement le même glitch qu'on a vu tout à l'heure à l'entrée du donjon. On va pouvoir le dégeler avec l'action swap. Ouais. Mais sauf qu'on n'a rien pour l'activer. C'est dans cette salle, il n'y a absolument rien qui peut nous permettre d'activer Taya, puisqu'elle n'apparaît jamais, à une exception, si on n'a pas d'ocarina dans l'inventaire. Donc rappelons-le, on a un ocarina d'équipé, mais dans l'inventaire, il n'existe pas. On a une bouteille. Et en fait, il faut savoir que dans le premier cycle, Taya apparaît au bout de 30 secondes, je crois. Ouais, quand t'arrives dans une zone. Et on peut l'activer. Et voilà, on a refait l'action swap. Et donc, ça nous permet de dégeler Goat comme ça, le boss. Je vous demanderai quelques prières parce qu'on peut se faire troll par la RNG là et ce serait vraiment malencontreux. Oui, donc il va essayer de toucher le boss à un endroit où le boss ne nous voit pas, mais nous on le voit et du coup il va rester bloqué dans un endroit, on peut juste l'enchaîner. Mais par contre, s'il y a des piliers, un pilier qui tombe pile en face de là où on tire, là c'est super embêtant. Tout à fait. Après, et ces piliers sont RNG, donc on n'a aucun moyen de les contrôler et après ça devient très difficile en fait de backup. Donc là il était pas pile dessus, il faut qu'il se décale un tout petit peu vers la gauche. Voilà, là il l'a. Alors, on fait deux side-up à droite pour bait une attaque. On tire 4 flèches. Ensuite, il va repartir à droite pour le re-trigger. Ensuite, là, il va pouvoir le finir avec 9 flèches. Voilà, 10 flèches. En fait, il va le finir avec la 10e flèche. Le boss va commencer à s'avancer vers lui. Et il va le finir quand il commence à s'avancer vers lui. Comme ça, il pourra finir. Ouais, il sera juste à côté de la war. Et donc, on va faire un autre glitch très important qui s'appelle Remain Escape. Donc on va... C'est un glitch assez simple, entre guillemets, à exécuter, où on équipe le grappin et on va jouer l'ocarina juste avant d'entrer dans la warp. Donc là, on va récupérer le masque, mais en jouant le chant. On joue le chant du temps inversé. Et en fait, pendant la cutscene blanche où le chant du temps... Il va récupérer le masque. Il va récupérer le masque, mais en appuyant au bon moment sur le bouton A, juste avant que l'écran blanc disparaisse. Et voilà, et donc on est contrôle de Link. Non ! Il est mort ! Mais non ! Bah, du coup, il va falloir tout refaire. Ouais, il va falloir tout refaire. C'est terrible. Ah mais non, on a récupéré le... Ah bah oui, c'est bon. Ah bah c'est bon, tout alors. Va bien, en fait. Bah tout va bien. Let's go, mec gros. Ah, il est fort. Et du coup, voilà, donc la cutscene des gens qu'on avait vu pour l'hôte de l'appel. Donc évidemment, il y a une cutscene similaire. On vient de la skipper, car on a déjà récupéré les restes de Rorke. Il suffit juste d'avoir le masque, en fait. Exactement. Que le géant soit trigger et qu'il vienne arrêter la lune. Est-ce que je peux vous demander un peu de silence? Pas de soucis. Pas de soucis. À venir. Un trick qui demande... Merci. Skipper une cinématique. Bravo. Let's go. Bravo. Ah, faut que j'aille montrer le décumasque, j'ai failli oublier. Ah oui. Ah oui, donc ça c'est la backup dont je parlais par rapport au fait d'avoir montré la bouteille tout à l'heure. Et qui aurait fait crasher. Donc en montrant le décumasque à ce PNJ, on va empêcher le glitch de crash. Donc pour expliquer ce qui vient de se passer, en fait, on a un peu comme pour le chant de la New Wave Bossa Nova, de la Bossa Nova des Flows, on a une frame pour faire pause et pouvoir ensuite activer l'ocarina. On peut faire pause et ensuite rentrer en fait dans cette loading zone du Hall Zora. C'est le même principe que le glitch qu'on a vu au début de la run pour le vendeur de masque. En fait, on passe frame par frame, et comme ça la cinématique n'a pas le temps de démarrer. Et donc, comme ça. Donc, la tortue, et du coup, elle est déjà sortie sans avoir regardé la cinématique. Après, normalement, pareil, il y a une cinématique avec les pirates qui s'envolent dès qu'on atterrit sur la tortue, mais on peut la skipper si on joue. Le champ du temps accéléré, on attend assez proche. C'est bon, là normalement, c'est bon. En fait, il y a la cinématique, le trigger de la cinématique met un peu de temps à se charger, ce qui nous laisse du temps pour sortir l'ocarina, jouer le champ du temps accéléré, et vous allez voir les deux bandes noires. On a vu deux bandes noires à l'écran qui signifient en fait que glitch a marché. Et donc, on va skipper une cinématique très longue où on voit des pirates se faire absorber par une espèce de tourbillon qui est autour du donjon. Autour du donjon, exactement. Et on va complètement skipper et ça fait gagner pas mal de temps. La cinématique de la tortue qui nous emmène sur le donjon est super longue. Ouais, aussi, on dirait que ça fait rien. Et même cette cutscene là, normalement, est écourtée. En fait, ça fait comme si on était déjà rentré dans le donjon, donc on ne serait pas les longues cutscenes. Donc là, on arrive dans Great Bay. Donc là, j'ai plus un équipe l'ocarina parce que j'en ai plus besoin.
Oui, parce qu'on va le on va réussir à récupérer l'ocarina dans le temple de la Grande Baie. Tout à fait. On va encore utiliser le glitch Remote Hookshot dont on parlait à Snowhead, au pic des neiges. Cette fois, ce sera pour en faire un glitch différent qui s'appelle le Get Item Manipulation, le GIM. Exactement. Et donc pareil, on va en quelque sorte ouvrir le coffre, mais on ne va pas rester devant. C'est ça. Grâce au grappin en fait, qui est le grappin à distance en quelque sorte, qui va agripper le grappin en même temps qu'on ouvre le coffre. En fait, le coffre va commencer à s'ouvrir, mais on va récupérer le contrôle de Link. C'est ça. On va pas être bloqué dans la cinématique de Link qui récupère l'item en fait. Et du coup, ça va nous permettre, en fonction du contenu du coffre, on va pouvoir récupérer des objets différents en tombant ensuite dans l'eau. Voilà, donc en fait, on va manipuler la valeur qui correspond à l'item qu'on est censé récupérer en levant les mains. Yeah. Please. Allez, il reste un ennemi à tuer pour faire apparaître le coffre. Il peut drop une noix, et s'il drop une noix, on perd notre bouteille qu'on a pas reçu une noix, donc faut faire très attention. Ouais. Ok, il a pas de drop de noix, donc ça va. J'ai eu peur. Donc là, il va faire le glitch du remote hookshot, toujours encore une fois avec le lait. On sort le grappin, on boit le lait au moment où on tire le grappin. Et donc, pratique, comme on a cette fois l'espace dans l'inventaire, on n'a plus besoin d'équiper la bouteille vide par-dessus le lait. On peut directement faire le glitch comme ça. Et donc, à une frame précise, on va. Donc là, il y a encore écrit open sur le bouton A, et dès que tu retournes dans l'eau, tu récupères l'item. Donc là, on a manipulé l'item que Link devait recevoir en ouvrant le coffre. Donc, on n'a pas obtenu, normalement c'est une fée. Et là, on a obtenu un autre item, et là, on a obtenu l'ocarina. Voilà, on a récupéré notre ocarina très tranquillement, et on va refaire ce glitch dans cette salle. Donc cette fois, c'est sur le coffre de la boussole. On va manipuler le get item. C'est ça, on voit Link en fait qui lève les bras, qui n'a rien dans les mains. Oui, il n'y avait pas de texte. En réalité, il est bien. On voit l'ocarina. On voit l'ocarina d'équiper, effectivement. Et donc c'est sur cette frame voilà, qu'on ouvre le coffre. On entend le bruit. Et donc là... Dès qu'on va dans l'eau, ça retrigger le get item. Et on a récupéré... Les flèches de lumière. Les flèches de lumière, c'est incroyable. Incroyable. Pas besoin d'aller à Stone Tower, ça c'est merveilleux. Et donc c'est la principale raison qu'on est venu ici, parce que normalement, dans les anciennes catégories, on pouvait complètement skipper ce donjon Dès la première salle où il y a la tortue, on pouvait directement accéder à la zone du boss avec le même principe que d'habitude, où on sort de la map et on touche la zone de chargement du boss qui est déjà activée. Et là, on va le faire d'ici. Donc c'est un peu plus rapide que de revenir à l'entrée du donjon. Avec un edge clip, on va faire très attention. Voilà, et ça brasse, bravo. Donc là, on va essayer de skipper la cinématique de Georg, la cinématique d'intro du boss. Donc avec un bow extension, on va pouvoir tirer à travers le mur et toucher Georg en avance. Un peu plus bas, et c'est bon. Non, dès qu'il touche, là, il peut partir. Je vais jouer safe, je vais pas y aller tout de suite parce que... Ouais, parce que là, il pourrait tout de suite aller toucher le boss, mais c'est un petit peu limite. Le boss va être destun un peu trop vite avant qu'il arrive. Et il faut savoir que Georg va nous manger, et comme il fait deux cœurs de dégâts et qu'on a qu'un cœur et demi... Ah, c'est deux cœurs, je crois que c'était c'est deux cœurs de dégâts qu'on se fait manger, donc il vaut mieux pas dans cette situation. Et donc là, en le manipulant, en le mettant près du bord, en fait, on peut juste rester à côté de lui. Ah, faut réussir à le re-stun sur sa tête. Bon. C'était limite. Ok, c'est bon. Donc première phase du boss. Fais gaffe à la magie. Ouais, j'ai pas beaucoup de magie, c'est chaud là. Peut-être faut aller chercher un... Je pense que ça devrait le faire. Une bonne RNG. Tu peux le stun et aller chercher un truc de magie peut-être, sinon mais c'est chaud. Ah, il est passé derrière. Ah, normalement, t'as assez de magie pour le faire une fois. Ouais, c'est bon, nickel. Bravo. C'était chaud, la magie. Ouais. Le problème, c'est que si je vais chercher un drop de magie dans l'eau, il me bouffe. Ouais, il te bouffe forcément, mort. Ouais, c'est mort, quoi. Ok, donc de nouveau, on va refaire le même trick que pour le pic des neiges, le temple du pic des neiges. On va faire un remain escape. Et du coup, skipper la cutscene des géants et ensuite se suicider pour revenir à l'entrée du donjon. Bon, pas de blague, cette fois on sait que c'est fait exprès, le suicide. Oui, je pense qu'une fois. Une fois, mais pas deux. Hein. Ok, c'est bon. Pareil, le champ du temps inversé. Voilà, on récupère le masque. Et voilà, donjon terminé. On a le masque. Oh là là. Oh, tu le fais exprès. Mec, ça rend. On est mort.
Ok, donc on peut sortir du donjon, on est revenu à l'entrée. On récupérer des bombes dans les barils. Ouais. Et on va sortir. Et donc là, c'est le troisième donjon, il reste plus que Stone Tower à faire. Et avant, il va faire un glitch avec les bombes. Parce que comme on expliquait tout à l'heure, en fait, quand on revient dans le temps, normalement, on est censé perdre nos bombes. Mais là, il va faire un glitch où il, où il va remplacer ses bombes par une bouteille. Ses bombes dans son inventaire, mais il va d'abord equip swap ses bombes sur les flèches de lumière pour l'avoir, pour avoir les bombes d'équipées. Et il va remplacer ses bombes dans l'inventaire. Ses vraies bombes par une bouteille vide. Mais il a equip swap les bombes sur les flèches de lumière. Alors on pourrait se demander, mais à quoi ça sert? Eh bien, ça permet, comme disait Marco, quand les consommables sont reset à chaque fois qu'on reset un cycle. Mais si on n'a pas les vraies bombes, eh ben, on garde le montant de bombes qu'on avait. Qu'on a tout simplement. Parce que le jeu, en fait, check dans l'inventaire si on a les bombes et ensuite il les reset. Mais là, elles sont que sur les ces boutons et pas dans l'inventaire les bombes. Donc là, il les reset pas. Ah oui, car il faut savoir qu'on ne fera pas Remain Escape pour le dernier boss, on fera un trick différent. Mais d'abord, on va rentrer. Ah, j'adore ce trick. Il est pas mal. Donc là, on va. Ah, donc la flèche, elle est juste passée derrière au moment où la cutscene passait le bloc. C'est ça. Trop stylé. Et donc, ça nous permet de skipper complètement, bien sûr. Ligne du vide. Puisque on n'est pas du tout rentré par Stone Tower régulière, vu qu'on avait déjà les flèches de lumière. C'est ça. Donc, très pratique. Et donc là, on a tout déjà pour faire le boss. Et on va faire comme d'habitude, on va pas prendre la clé du boss. On va partir out of bound et toucher la loading zone. Et on va finir le temple le plus vite possible. On n'a pas besoin de récupérer le masque des géants. Puisqu'on peut faire le boss de ce temple aux flèches. C'est ça, et c'est très précis pour le coup. C'est très précis. Partec, hein. Et ça peut être RNG aussi. Là, il va faire un petit damage boost pour accéder à la plateforme. Il va récupérer un peu de magie. À droite. Avec un setup précis. Et en faisant un target sur. Ça va retourner Link et il s'agrippe ici. Ouais, bravo. Bravo. Ça skip. Une bonne partie du donjon. Grosse partie du donjon, ouais. Et ça nous évite de faire des overs, voilà. Ce qui gâche des bombes. Ah oui. Il a réussi. Non, je crois pas. Hein. Ah, je sais pas. Ouais. Donc il doit jouer. Il joue le champ du temps en tombant dans le vide. Voilà, là on a vu la partition qui s'active. Donc là, il a stocké le champ du temps. Donc dès qu'il va activer une boîte de dialogue, il y a la boîte de dialogue du champ du temps qui va apparaître. Ça servira pour la fin pour skipper la cinématique. Bon. Ça va, c'est pas très grave. Dans Majora's Mask, assez bizarrement, quand on tombe dans le vide, la plupart des voids en fait ne nous font pas perdre de cœur. C'est ça. Donc c'est plutôt pratique parce que mourir à ce moment-là, ce serait quand même. Contraignant, on va dire. Donc là, on va essayer de chercher la zone de chargement du boss. Alors, on fait quelques méga flips et normalement. Allez, encore un méga flip. Un over et un méga flip, et normalement. Normalement, ça passe. Ouais, et c'est bon. Bravo! Très solide. Dernier boss avant Majora. Effectivement, un boss aux propriétés assez particulières, puisque c'est un boss double. Oui. Finalement, d'où le nom des jumeaux. C'est des jumeaux. Et donc il y en a un qui est bleu et l'autre qui est rouge. Et donc je ne sais pas si beaucoup de gens ici ont joué à Pokémon, mais il faut savoir que du coup, le feu est efficace contre le bleu et la glace est efficace contre le rouge. Mais malheureusement. On n'a aucune des deux. Donc, on n'a aucune des deux. Donc on fait les flèches de lumière qui sont quand même un petit peu plus efficaces que les flèches normales. Sachant qu'ils ont, 10 PV chacun, une flèche de lumière, on leur enlève 2 PV. Et les flèches normales, on lui enlève une. Oui. Donc il. Voilà, il n'y a que le bout de la queue qui est vulnérable. Et alors par contre, ce qui peut être très problématique, c'est pour ça que ça se jouait assez safe en récupérant de la magie, c'est si on manque de flèches. Oui. Si on n'a plus de flèches, c'est très problématique, car après il faut récupérer des munitions. Oui. Mais sur du coup, les piliers. Voilà, c'est ça. Mais il y a à côté d'un pilier, il arrive sur nous, mais souvent il nous touche en plus. Donc, c'est ça, en fait, il n'y a que soit Link géant ou le boss qui peut détruire ses piliers. C'est ça. Et il n'y a que dans ces piliers qu'on peut trouver de la magie ou des flèches. Donc si on est à court de munitions, et ben, la perte de temps est énorme. Ouais, la hitbox est un peu abusée aussi. Ah oui, clairement. En fait, on peut tirer à travers la queue assez bizarrement. Il y a un espace entre la hitbox qu'on ne peut pas toucher et la hitbox qu'on peut toucher. Et des fois, ça nous arrive de que la flèche passe à travers. Entre les deux, et du coup, on a l'impression que ça n'a aucun sens, quoi. Normalement, pour l'instant. 19 flèches. Ça devrait le faire. Oh, bien joué. Bien.
Il en reste un. J'ai pas compté combien il fallait de flèches pour le dernier. Je sais plus, je pense qu'il en faut quelques-unes quand même. Pas mal, peut-être 6 ou 7. Mm. Et sachant que une fois qu'on a vaincu le premier Twin Mole, le deuxième va plus vite, donc oui. C'est plus difficile de le viser. Ah voilà, et là il a activé la boîte de dialogue du champ du temps quand il est tombé tout à l'heure, il joue le champ du temps avec la partition qui a apparu. Donc il faut surtout pas appuyer sur A évidemment. Ah oui, s'il appuie sur A, il perd toutes ses flèches du coup. Perd toutes ses flèches et il va pas pouvoir skipper la tête des gens. Non, ouais, c'est. Mais de toute façon, ce boss est probablement le plus RNG et celui qui peut faire perdre le plus de temps dans une run finale. Du coup, faut qu'il fasse super gaffe à chaque fois qu'il annule son arc. On a l'habitude d'appuyer sur A pour annuler, mais là, faut appuyer sur B pour annuler. Ouais, il faut faire très attention, faut pas faire de roulade, il faut pas faire de side-up. Faut jamais toucher à A, quoi. Parce que c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais on se sert beaucoup du bouton A dans la run, donc. Quand on sait qu'on doit pas appuyer dessus, c'est des fois, au début, quand on commence à faire des runs, eh ben, on a tendance à faire cette erreur, mais bon. Après, quand on est expérimenté, normalement, ça n'arrive plus vraiment. Effectivement. Allez, mec bro, 3 flèches. Mec bro, ça le fait. Oh, et c'est magnifique. Bon. Oh, c'était chaud. J'ai eu peur parce que deux flèches là. Ouais. Donc là, pour skipper la cinématique, ça va être à peu près le même principe que l'autre. On va récupérer le masque, on va appuyer sur oui pour reset, sachant qu'en appuyant sur oui, ça va sauvegarder le jeu à ce moment-là. Et on va reset la console. Voilà. Et voilà, et on a récupéré le masque du coup, et au moment où on a sauvegardé. Et c'est bon. On n'a plus qu'à se diriger vers Majora. Et par chance, on va faire un truc qui nécessite des bombes. Oui. Et justement, c'est pour ça qu'on a fait le glitch pour ne pas perdre les bombes. Parce que normalement, on est censé les perdre là, il aura 0 flèche par exemple. Mais les bombes, il en aura toujours le même nombre qu'il avait actuellement. Exactement. Donc on va faire un trick pour rentrer dans Bourg-Clocher, dans le toit de Bourg-Clocher. Avant minuit, avant le troisième minuit jour, du troisième jour. On va en fait tout simplement passer par au-dessus. Donc on va. Ah ouais, c'est le chien pour nous aider à nous retourner pendant le hover. Parce que normalement, quand on fait un hover, on est bloqué dans la même direction tout le temps. Mais si on target quelque chose, ça nous permet de tourner pendant le hover. Et là, on va hover pas dans le bon sens. Il va falloir se retourner pour aller vers la tour. Mec bro et son fidèle chien. Et oui. Heureusement qu'il est là. Voilà, donc là. Après ça, il va pouvoir se retourner grâce au chien. Voilà. Donc il n'a pas un angle normalement. Ah, c'est bien, voilà, ça passe. C'est bien. Bravo. Et donc, on arrive pas loin de la fin de la run, mais oui. Avant ça. Une grosse cinématique. Grosse cinématique. On va jouer le champ de l'appel, l'hôte de l'appel. L'hôte de l'appel, ouais. Et on rappelle les 4 géants que c'est bon, on a les 4 masques, donc c'est bon, ils vont venir. Ils vont venir nous sauver, mais bon, on est obligé de regarder cette cinématique. Oui. C'était le bon vieux temps, pas de bouton skip, donc. On attend, on va pouvoir lire des dons en attendant. Allez, 5 minutes de cinématique. Ouais. Oui, on nous a appelé. Oui, oui, bonjour. Bonsoir. Oui, bonsoir. Très bien, très bien. On a beaucoup de dons, 400. D'ailleurs, si la régie peut montrer le dessin en même temps, comme ça, cela ne m'est à voir. Là. Ouais, bon, oui, d'accord. Non, mais ça, c'est, ah oui. Ça, c'est du speedrun, wow, hein, magnifique. Incroyable. Magnifique, on prendra ses impressions après, sublime. 400 euros de Big Daddy Doo et Jessie Croquette qui disent un grand merci au vieux monsieur, leur gars, au super caster, au runner et à tous les gens de l'Event. Vous êtes de belles personnes, la bise de mon pèle. On a 50 euros de Vings qui nous dit pourquoi ils disent Link, je croyais que le jeu s'appelait Zelda. Tout à fait. 150 euros de X to the Noob qui dit bravo pour l'Event, les runs et les dons, qui fait bien toutes et tous. On a 200 euros de Nax qui nous dit bonne chance pour cette run du deuxième meilleur Zelda 3D. 100 euros de Rarity qui dit Pepo G, le hibou is a lie. On a 100 euros aussi de Goupil. Avec le travail, c'est pas simple de suivre Speed Don cette année, mais on est là quand même. Merci le vieux monsieur, merci à tous les participants de ce bel événement. Bourrez les dons. 200 euros de Bleb4 qui dit merci pour l'orgal, l'event est au top. 200 euros de Promf qui dit des bisous. On a 50 euros de Kalec qui nous dit faut bourrer les dons, paraîtrait qu'à 1 million JDG fait le speedrun de Star Citizen sur un PC à moins de 7000 boules. 50 euros de Totov qui dit yo mec bro, don depuis la salle, bonne chance Irzax et merci Skyward et Marco pour les commentaires, encore GG Marco pour le world record en 100%. 50 euros du Stuoka qui dit Majora's Mask est vraiment le meilleur jeu, let's go Irzax, bon courage pour les castors, bourrez les dons. On a 5 euros de Pierrot qui nous dit vive Majora et Speedon. 3 euros de Chromatix qui dit bravo pour cet événement de zinzin, félicitations à tout le staff et GL à Irzax pour et tous les runners. 10 euros de Piano qui dit GL Sirzax, mec mon gars, respecte le beatmaker du Templo del Bosque.
20€ de phase de paix. Très bien. Je l'avais. Ah ouais, qui nous dit Zelda, ouais. 50€ de bonsoir, qui dit médecin est un métier qui s'applaudit. Bravo à tous ceux qui, oui, de près ou de loin, permettent à cet événement d'exister. Moins de frames et plus d'argent. Ouais. Bravo. On a 10€ de... Ah. Vous savez si l'incentive a été validée pour le showcase à la fin du run? Ah, très juste. Je crois que ça a été explosé avant même que tu commences le run. Parfait, oui, on est bon. Nickel. Est-ce qu'on continue sur les dons? Ah, il y en a pas encore quelques minutes. Oui. Ah, d'accord. Ok, on a 10€ de masque Zora, entre parenthèses, Thor. De la force pour le runner et merci à toute l'orga. Iknaps qui donne 10€ et qui dit très heureux d'avoir participé pour entendre cette magnifique mélodie au piano. GG sans axe. Atheris qui donne 10€ et qui dit run de fou. Monsieur Mélo qui donne 5€. Je donne pendant cette run de fou parce que Majora's Mask est trop bien. Sirzax est trop fort et que j'ai besoin d'un de ses dessins. Bourrez les médecins pour les dons. Très bien. Tu veux lire les phrases avant de lire les dons alors, Oui. 10€ de Atheris qui dit run de fou. Et on avance. Onion Rings, là on est vraiment dans les dons récents. Onion Rings, Marco le plus beau. Ouais. 5€ de Phalaenopsis qui dit excellent run, bravo à Sirzax et merci à Marco de m'avoir fait connaître la communauté du speedrun, c'est vraiment une pratique incroyable, bon événement à tout le monde, cœur. On a Xage Darkt qui donne 5€ et qui dit bourrez les dons. Fandev qui donne 10€, génial cet event. 5€ de Bro qui dit mec. 10€ de Madame Brisby qui dit du lait à l'infini, rien de tel pour se revigorer en cette soirée. On a 5€ de Chirel qui dit la run est folle, merci Sirzax. 250€ de Monsieur Pan à l'instant, félicitations au runner et à l'orga pour ce superbe événement. Le meilleur FF c'est Crystal Chronicles, rien que pour la musique. Ah, je l'avais oublié celui-là. Ah, d'ailleurs, nous avons une nouvelle. Oui. Ouais. Effectivement, le meilleur FF, FF14 a été battu par un certain François Fillon. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, François Fillon est à 7600 balles. Oui, parce que c'est même pas une marge de 2 balles, hein. C'est une sacrée marge. 2000€ d'avance à peu près. Effectivement. Débrouillez-vous pour qu'on termine pas avec ça. Oui, ne laissons pas ça comme ça. Très bien, 3€ de Hypoticha qui dit des bisous à la salle, qui porte les runners avec leurs encouragements. On pense à vous dans le chat et on vous remercie de donner de la force aux athlètes. Cœur, ouais. 1€ de la RNG qui nous dit aujourd'hui je serai généreuse pour la bonne cause. Merci. Merci la RNG. La Mouillette qui donne 5€. Let's go la vitesse. Bourrez les dons. Des bisous. Magnifique. Zillard qui donne 3€. Cette année encore, on soutient le speed. Bravo à tous. 3€ de Heavy Steel qui dit merci à tous les runners pour ces 4 jours de folie. Si seul Link peut vaincre Ganon. Alors nous, on fait des dons. 20€ de Millie et Under tout court parce que le reste, je ne vais pas réussir à le dire correctement. Big up à tout le monde et à quand une run FF6 du vieux monsieur? Ça fait 10 ans. Hein. 20€ de Cousy Yvan qui dit merci pour ses initiatives. 10€ de Jimbo qui dit merci pour cet event exceptionnel. Difficile de faire autre chose que de regarder tous ces speedruns de qualité. Ouais. On a Link qui donne 10€ et qui dit Merci Link. Alex, c'est bon, ça repart. Ça repart. On va arriver vers le boss final. On est arrivé sur la lune. On a fait un petit super slide pour aller un peu plus vite. Et on a parlé à l'autre gamin aussi. Deux fois, ouais. Alors, on n'a pas tous les items pour faire le fight, mais simplifie le fight, c'est quand même le masque Zora et les flèches de lumière. Ça va pas aller aussi vite qu'avec le masque de puissance d'effet, mais normalement, on devrait s'en sortir. Ouais, ce sera un peu long d'aller le récupérer, quoi. Un petit peu. Et du coup, on va se servir des boomerangs Zora pour stun le masque. Normalement, c'est très facile avec l'autre masque de puissance d'effet, mais on l'a pas. Et ce qui est un peu chaud, ça va être la RNG des restes des boss qui volent et qui vont nous envoyer des boules de lumière. Il va falloir faire attention à ça parce qu'on a que 3 cœurs. Ça enlève un cœur à chaque fois que tu te prends une boule de lumière. Après, t'as une fée en backup au cas où. Effectivement. Donc voilà, donc la hitbox de Majora, de la première phase de Majora, en fait, est derrière le masque. Et la première hitbox, en fait, cache la deuxième. Mais par contre, les boomerangs passent au travers, en fait, des hitbox. Et du coup, c'est ça qui nous permet de facilement stun Majora. Ensuite, on utilise les flèches de lumière, car c'est l'équipement qu'on a actuellement qui fait le plus de dégâts. C'est ça. Et donc voilà. On va lancer une bombe pour le stun après. Avant qu'il y en... Et un jump sash suffit pour finir la première phase. À
deuxième phase qui est probablement celle qui est la plus tricky. La plus inquiétante, ouais. On peut vraiment se faire troll par tous les restes qui sont autour. Oui, c'est ça, puis c'est vraiment aléatoire. Majora part dans tous les sens dans la salle. Heureusement, il y a un petit bug qui fait que si on drop un explosif au milieu de la salle, aux coordonnées 0, il va se faire stun quoi qu'il arrive. Alors on a pas une super position car assez bizarrement les restes autour tirent des espèces de sphères d'énergie mais seulement quand on les regarde en c'est fait. Ça, ouais. Mais ils sont pas chargés en fait. Mm. Et donc voilà, quand on est contre un mur comme ça, bien les restes ne viennent pas en fait nous emmerder tout simplement pendant cette phase. Et donc on peut tranquillement stunlock et c'était extrêmement rapide. Un peu dommage qu'il m'ait tapé au début mais ça va. Et donc là on arrive à la troisième phase. La plus dure. Ouais. Donc il va falloir tirer une flèche juste pour le stun et ensuite faire 20 jump slash d'affilée pour le finir. La fée. Alors, je crois qu'il faut que tu équipes la fée quand même pour qu'elle s'active, Fan. Ouais, il n'y a pas le temps. 20 jump slash maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, let's et go! C'est time! Bravo. Excellent, Major. Et c'est un sub 1h30, solide, GG. En vrai, c'est pas mal. Ouais. C'était solide. Sans la grotto et avec les dingueries de et le Snowhead Rest, ouais. En vrai, ça fait un bon temps. C'est pas mal. J'espère que ça vous a plu. Bon, c'est quand même 11 minutes plus lent que mon PB. Ah, mais c'est excellent pour un marathon. Ouais, franchement, c'est cool. Surtout, c'est la première fois que la nouvelle route est présentée en marathon, donc bah, c'était un plaisir. Et du coup, on va pouvoir vous montrer des petites dingueries avec le SRM, notamment comment se téléporter sur la Lune sans avoir aucun donjon de fait. Ça, on va voir les Major Glitch cool. Qui sont extrêmement pétés. Ouais. Avant, on va voir le menu de la Wii. Allez, pour pas vous mentir quand même, on joue bien sur une Wii. On joue bien sur la Wii. Je dois lancer la chaîne Mi là. Alors, on a une practice ROM sur le jeu qui va nous permettre de nous téléporter où on veut, de faire des save states, donc je vais vous montrer là-dessus, sinon je devrais refaire une sauvegarde, ça prendrait un peu trop de temps. Oui, en fait, on peut très facilement rater ce glitch et bon, ce serait beaucoup trop compliqué de backup, donc avec la practice ROM qui me permet de faire des save states. Le King Zora qui nous dit bonjour. Exactement. Bonjour. Là, tu vas aller directement au Palais Mojo. Ce ne sont pas mes save states. Alors, bah du coup, je vais vous montrer la grotto aussi que j'ai ratée dans le run. Comme ça, ce sera fait. La practice ROM qui est extrêmement pratique quand même pour s'entraîner. Ah oui, oui, oui. On va la refaire. Quand vous disiez que c'était un trick compliqué, on vous mentait pas. Hein. Clairement, les angles sont très précis, les timings sont précis également. Donc, premier gaffique puis passe et le deuxième. Normalement, vous devrez nous mener à la deuxième grotte qui n'est pas chargée. Alors là, je peux me balader et je peux retrouver également la même loading zone qu'il y a là-bas. Voilà, et qui va mener directement au palace. Ah, donc c'est là qu'on était censé arriver tout à l'heure. Non, je fais le run là, ça va pas du tout. Le mec est matrixé. Tu veux pas nous refaire une heure et demie là ? Le SRM, comment ça marche ? En fait, on va modifier la valeur des acteurs du jeu de manière à faire des dingueries, donc notamment ouvrir le même coffre plein de fois pour obtenir des items divers et variés. Là, en l'occurrence, je vais setup un garde Mojo pour que la valeur à laquelle il va me ramener quand je me fais choper, ce soit pas le Décupalas, mais la Lune directement.
Donc c'est des setups un peu mystiques, mais ça fonctionne. Ne payez pas trop attention à ce que je fais. Et donc là, à la fin du Super Saiyan, il était censé soulever le vase qu'on a vu, l'espèce de pot. Et donc on est obligé de recommencer le glitch depuis le tout début. Le problème avec ça, c'est que si on rate, ça peut crash. Donc on évite de continuer si on sait que le setup a raté. Ça va être de super slide et de soulever le pot alors qu'il n'est pas chargé dans l'autre zone et du coup de soulever rien en fait. Link qui va lever les bras, il n'y aura rien dans ses mains. Et c'est ça qui va permettre ensuite la manipulation. Voilà. Donc là Link qui soulève, voilà, il soulève le pot qui n'est pas chargé, donc là il n'y a rien dans ses mains. Maintenant en fonction de l'angle que j'ai et l'angle de collision que je vais avoir avec un mur, au moment où je vais drop le faux pot, enfin le pot invisible, ça va déterminer la valeur à laquelle je vais me faire téléporter. Donc là, je sais pas pourquoi il l'a posé alors qu'il devrait le jeter. Donc je vais le refaire une troisième fois. Pendant le setup, ça crash aussi. Voilà, on va retenter le setup. Voilà, il est censé lancer le pot. Du coup, là, j'ai setup ce garde à me téléporter. Voilà. Et vous voyez là, l'écran qui fade in en blanc. Et du coup, on arrive dans le trial de God sur la Lune. Et donc le SRM qui a été découvert en fin 2019 a réduit drastiquement les temps sur Ocarina of Time et Majora's Mask. Et du coup, cette run-là, elle se finit en combien à peu près? 27 minutes. Ouais. Sachant qu'un nouveau glitch a été récemment trouvé pour skipper et même voilà. Le premier cycle. Et donc de pouvoir finir le jeu en 18 minutes, il me semble, le record du monde est à 18 minutes. Ouais, 18 quelque chose. Ouais. Donc c'est très très impressionnant. Par contre, dans cette catégorie, on fait le fight avec uniquement les bombes et les missiles, et c'est un peu plus compliqué. Allez. Ah vraiment? Allez. Non. En vrai, je crois qu'on a un peu de retard. Ouais. Oui, non. Voilà. Je pense qu'on l'a déjà vu. Si peu. Je vais vous remercier d'avoir regardé ce run. Merci à toi. Merci à toi. Merci à Marco et à Sky pour les commentaires. Ils se sont démenés plaisir. Pour venir à cause des grèves malgré tout. Après plein d'annulations de trains. Oui. Et puis. On avait quand même pas raté ça quand même. Bro mec. Hey mec, bro mec. C'était trop cool. C'était cool. Merci beaucoup. Et puis je vous rends l'antenne, les ambianceurs. Ouais.